mais j'adore la cuisine. C'est vrai. Je suis un maître queue. Ah, oh, ça y est, c'est reparti. Mais non, mais c'est vrai, j'adore la cuisine, pardon. Dès que c'est sexuel, il plonge dedans. Je cuisine beaucoup à la maison. Vraiment, vous cuisinez à la maison. C'est quoi ton plat préféré alors que t'adores cuisiner? Alors, à l'ancienne, moi, j'ai. Il adore l'emoji aubergine. Les tomates farcies de ma grand-mère, la recette de mamie Janine, c'est absolument. Attends, les tomates de ta grand-mère ne regardent personne. Non, mais j'adore cuisiner, oui. C'est comment les tomates de votre grand-mère? Non, mais c'est comme les tomates de tout le monde, mais. Mais sauf que c'était ma grand-mère, elle m'a appris à les faire. Ah ben non, parce qu'on peut faire des tomates farcie de la paresseuse. Moi, c'est ce que je fais. C'est quoi la feignasse, là? Bah parce que la tomate farcie, il faut prendre la tomate, il faut creuser la tomate. Il faut la farcir, oui, c'est le principe. Il y a beaucoup plus simple. Tu prends un plat à gratin. Tu mets un petit peu d'huile. Elle tu commence mets du bien riz. Cette émission, Laurent. Non, mais tu mets une couche de riz. Mais là, j'ai l'impression que c'est déjà plus que la tomate farcie. Parce que j'espère qu'elle faisait pas que la tomate farcie, parce que sinon on est vraiment en galère. Il n'y a que Dari Boudboul pour donner une recette devant Roi Narbelez. Est-ce qu'il nous explique comment monter à cheval, lui? Franchement, non mais franchement, non, on préférerait. Attends, mais moi j'aimerais bien avoir la fin de la tomate des feignasses. Oui, la tomate des feignasses, donc de moi, c'est une couche de riz. Toc. Tu mets une couche de tomate que tu coupes en rondelles, une couche de farce, une couche de tomate, un petit peu de gruyère, basta. Mais c'est des lasagnes en fait. Mais ça fait. Il y a tous les ingrédients de la tomate farcie. En fait, c'est la tomate farcie déstructurée. C'est une moussaka, ouais. Voilà. Mais elle n'est pas du tout une moussaka. Non, mais elle est déstructurée. Toutes les couches. Dari est déstructurée de toute façon. Ah, vous voulez ma recette de la tomate farcie? Oh non. Mais j'avais une question pour Juan. Mais Juan, tu es quand dans ta cuisine? Pourquoi tu n'es pas dans ta cuisine là maintenant? Mais parce qu'il a plein de cuisine, Johan. Il est quelle heure là? Il est 15h34. 4. Non, il est 10h47, à midi, il va falloir que je vous quitte pour aller voir au service, moi. N'empêche qu'il est mignon, il n'a pas beaucoup de poils, mais il est mignon. Lui, c'est dans la cuisine qu'il a besoin de poils, évidemment, il en a pas besoin. Exactement. N'empêche que je connaissais, parce que je suis allée dans deux de ses restos, parce que moi, je ne vais pas dans les restaurants où on mange des bébés. Ah, ouais, des veaux, de l'agneau, de tout ça. Oui, moi, je ne mange pas d'enfants. Eh bah, bien, le yaya de la Défense, son yaya de la Défense, eh bien, il n'y a pas du tout de viande, pas de bébé non plus. Ouais. Et il y en a, ça, je suis allée à Boulogne, ça s'appelle Pancha. C'est génial, je ne savais pas qu'on était là pour faire ma pub, c'est super. Oui, et alors j'ai mangé des courges au miso. Oui. Je vais vous dire que Dari Boudboul, quand elle est devant une courge, on ne sait pas laquelle des deux regarde l'autre. Mais Juan, t'as pas une recette de cheval pour Dari? Non, ça va. Attention, ça ne fait pas rire du tout. Je crois qu'il peut rire de tout, mais pas de ça. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Pour mais qu'est-ce que je vous ai fait? Oh non. Est-ce que je me mêle de vos chevaux, vous? Bon, allez, posez votre question. Première citation pour monsieur Giotte, qui habite Ondres. Dans... Giotte? Non. Ondres, dans les Landes, qui a dit « J'ai appris l'amour sur le tas, mais j'ai fait que je me suis marié avec. » Bernard Mabille? Non. Jean-Yann? Non, pas Jean-Yann. Il est vivant. Des proches, est-ce qu'il non. est vivant, Laurent? Il est vivant. Ah, est-ce qu'il est aux grosses têtes, parfois? J'aimerais, mais non. Olivier de Benoît? Non. Ah, Patrick Timsit? Patrick Timsit, oui. Bonne réponse de Johan Rioux. Pour Véronique Loutot, Mme Loutot habite Cheny-Ménil, c'est dans les Vosges, qui a dit « Ma vie sexuelle est tellement pitoyable que je me suis inscrit au championnat du monde de célibat. Je rencontre demain le pape en demi-finale. » Ah bah, Rioux. Non. Rioux, il aurait pu le dire. C'est drôle, ça. Est-ce que c'est français, drôle. Ça C'est français, c'est quelqu'un qui était aux grosses têtes mais qui n'est plus de ce monde, hélas. Sim. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, c'est Sim. Bah, Johan, c'est un peu Sim en gros. C'est vrai. Ouais, mais est-ce que vous avez vu mon ventre disparaître de plus en plus? Non. Ah non, on n'a pas vu. J'ai, non. Pas vu. On a J'ai pas quasiment plus de ventre. Ah bah oui, c'est spectaculaire. On pensait que ton sexe apparaîtrait proportionnellement, mais... Je suis trop heureux et tout. Vélo d'appartement, midi, matin et soir. Bon, il en reste un peu, mais... Deux séances par jour. Combien vous avez perdu? Bah, j'étais à 108 et maintenant je suis à 99 depuis deux jours. Ah oui, alors bravo. Bravo. Vous n'avez rien vu encore. Parce que je veux vraiment être à 90 kilos pour décembre, pour fin décembre. Mais perdu 9 kilos. Mais oui, regardez. Mais oui, ça se voit. Soulève la chemise. C'est qu'un seul grand abdo, en fait, finalement. Oui. Mais regardez, j'ai oublié ma ceinture aujourd'hui. Mais ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul, regardez. Mais oui. Ah oui, mais ne montre pas tes fesses. Ne montre pas tes fesses, Johan, s'il te plaît. Non, mais remonte-le quand même. Il y a des enfants, c'est les vacances scolaires, il y a des enfants. Ne montre pas tes fesses. Qu'est-ce que vous lui conseillez comme plat light, Juan Arbelez, à notre ami? De l'arsenic.
Le citron, non, le citron, je fais beaucoup de jus de citron. Ouais, le matin, le citron, ça va être bien. Mais après, en vrai, on peut tout manger, il faut juste équilibrer. Mais voilà. Faut pas se mais un plat miracle qui fait maigrir, un plat qui fait maigrir. Ça n'existe pas. Mais c'est celui que tu manges. Ça n'existe pas. Non, celui qui vous vend des milliers de livres en disant qu'il y a un plat et des recettes qui vous font maigrir, le but, c'est un peu d'équilibre. Ah, c'est vrai. Voilà, non, il y a des choses qui te nourrissent, en tout cas, qui te rassasient, qui sont moins grasses, peut-être. C'est ça. Ouais, mais déjà, tu peux éviter les viandes et tu passes un peu plus sur du poisson. Ah, c'est une bonne idée, ça. Il faut donner beaucoup plus de place à des légumes que les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain, mais on le connaît tout ça. C'est évident, on le sait tous en fait. Et donc, du coup, on mange tous les trucs qu'il ne faut pas manger. C'est juste qu'on est tout le temps en train de chercher cette recette miraculeuse pour maigrir. On la connaît tous, c'est juste qu'on a du mal à s'en passer. Des trucs gras, du petit foie gras, du petit pain, des escargots au beurre, du fromage. Ah oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on a du mal à se passer des trucs gras. Regardez, je fais revenir Ryu toutes les semaines. Pour Gauthier Julien, qui habite Albi, une citation misogyne, hein, je préviens d'avance, les féministes qui pourraient encore nous écouter, qui a dit « Je suis féministe parce que j'aime les femmes, mais je suis misogyne quand les femmes sont un peu peu qui arrivent souvent. » Ça, c'est Coluche, c'est français. Non, c'est Jean-Yann. Jean-Yann, ça pourrait être Jean-Yann. Peut-être ça. Même il l'a dit ici aux Grosses Têtes, il n'est pas souvent, mais à une époque, Philippe Bouvard l'a invité aux Grosses Têtes. Patrick Sébastien. Il n'est plus de ce monde. Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux, non. Jacques Balutin. Jacques Balutin, non. Un humoriste. Humoriste, non, mais il était drôle, grande gueule, quoi. Mais... Oui, Peter Ustinov. Non, mais il a un point commun avec Ustinov. Il a joué Hercule Poirot. Mais c'est un acteur. Alors, pas seulement acteur, comme Ustinov, justement. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Oui. Un acteur de théâtre. Plutôt de cinéma, voilà. On va dire. Et c'est ça la question, c'est un acteur de cinéma. Et un réalisateur, peut-être. Et aussi un réalisateur. Voilà. On y arrive. Ah, et ben Jean-Pierre Mocky. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Vous voyez, quand on vous aide. Oui. Je suis le fan numéro un de Mocky, moi. Ah oui, c'était évidemment signé Jean-Pierre Mocky. Il était tellement drôle. Cette phrase misogyne, je suis féministe parce que j'aime les femmes, mais je suis misogyne quand les femmes sont un peu... Ce qui arrive souvent, on ne peut pas faire plus misogyne que cette phrase signée Jean-Pierre Mocky. Une question pour Martine Morandeau, qui habite Val-d'Oise, c'est dans le territoire de Belfort. Ce pharmacien, qui s'appelait Hippolyte Meige-Mouriès, inventa dans les années 1860 quelque chose à la demande de Napoléon III. Quoi donc ? L'aspirine ? L'aspirine, non. Quelque chose pour le sexe, le bromure ? Du tout. Attendez, on va y aller par étapes. Bah, est-ce que c'est vestimentaire ? Attendez, monsieur Bénichoux semble se marrer, je veux savoir pourquoi. Parce que il dit pas... quelque chose pour le sexe, le bromure. Mais non, le bromure, c'est contre oui, le oui, sexe. J'entends bien. Oh, on peut même dire que c'est un produit de contrebande. C'est deux très vieux mecs, tu vois, genre un peu comme toi, tu vois. Deux très vieux mecs. Tu vas voir où je vais te le mettre, le bromure, moi, tout à l'heure. Vous voulez dire, c'est Mabie et Manœuvre au concert des Stones. Ouais, bah, on sera des rails de bromure. En train de se faire des rails de bromure. Un rail de maïzena. T'en as. Moi, je fume un pétard de tilleul, tu vas voir. Et alors, Pierre, ah, ils étaient drôles à l'époque. Alors, ils sont trois, ils sont assis comme ça. Ah, ils sont trois, il y a deux chavannes aussi, alors. Ils prennent le soleil, ils sont un peu gâteux comme ça. Il y en a un qui dit à l'autre, dis-moi, Titain, tu te souviens ce qu'ils nous donnaient à l'armée pour pas qu'on bande trop ? Non, mais quand... Il est bien 17 avant les Dardanelles, non ? Demande à Hippolyte, il passe, Hippolyte, qu'est-ce qu'ils nous donnaient ? Il dit, le bromure ? Il dit, ah, c'est ça. Je crois que ça commence à faire de l'effet. C'est mignon, elle est bonne, hein ? Elle est mignonne. Non, mais vous êtes vu ? S'ils ont fait la guerre en 1917, ils ont 100 non, mais cette histoire a déjà 45 ans. Ah, c'est ça, ouais. Tu en rajoutes... au carbone 14, ouais. Ouais. Tu en rajoutes une ou deux et tu fais la tournée des Hespérides, mais alors un carton, hein. Un carton. À se tordre la tête de nœud. La tournée désespérée, oui. Vous ne laissez pas faire mon Pierrot. Non, mais je serai votre dernier soutien. Ah, mais vous êtes une hypocrisie absolue. Je vais vous dire, je viens de vous voir vous casser en deux de rire. Et là, les auditeurs qui ne vous voient pas disent, ah, il est charmant, il soutient ce pauvre Pierrot. Alors vous êtes mort de rire. Quel pauvre Pierrot. Quel pauvre Pierrot. Vous dites mon pharmacien, là, pendant ce temps-là. Et alors, c'est quoi la situation? Il a inventé une potion. C'est quoi la citation ? Mais c'est fini les citations. Et son nom, c'est Hippolyte. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Pour Napoléon III, il a inventé un truc. Est-ce que c'est une potion ? Oh, alors, monsieur 3615, je suis vachement hypocrite. Ben, je suis... Attends, ça va ? Moi, je suis à l'écoute des questions. Je soutiens monsieur Ruquier. C'est bien, mon petit Gérard. Mon bon Gérard, c'est le meilleur élève, mon bon Gérard. À l'école, tu devais être faillot. Ça ne serait pas une cire pour les moustaches ?
Une cire pour les moustaches. Alors, vous savez pas avoir la moustache bien raide. Non. Est-ce que c'est une potion? Est-ce que c'est vestimentaire? Pas du tout. Médicamenteux? Médicamenteux, pas vraiment. Ah. On a affaire à un pharmacien, ouais, hein, qui est né à Draguignan, mais qui est mort à Paris. Il était chimiste, pharmacien. Et il a inventé dans les années 1860 quelque chose à la demande de Napoléon III, qui a même lancé un concours pour ça. Est-ce que lui-même en avait besoin, Napoléon III? Oh, lui et tous les Français. Est-ce qu'on prend les pellicules? Pour les pieds, non. Le haricot. Les pellicules. Les pellicules, non. Le pétrolane. Non. Le haricot, non. Le préservatif. Le préservatif, c'est bien ça, monsieur Manœuvre. On sent le rocker. Ah oui, c'est ça, il n'y a que le rocker qui... Non, mais on voit le concert qui capote. Les trucs pour se laver les oreilles, les cotons-tiges. Les cotons-tiges, non. Est-ce que c'était un produit? Alors, c'est un produit, oui. On l'avalait? Ah ça, c'était, je peux même vous dire, c'est alimentaire, oui. Ah, alimentaire. Le Coca-Cola, non. Ça n'est pas un suppositoire. Le Viandox, non. L'antécite, non plus. Quel rapport, excusez-moi, est-ce que ça a rapport avec le fait qu'il fut pharmacien? Oui, parce qu'il était chimiste aussi en même temps. Alors, ça évitait, par exemple, certains désagréments d'estomac? Du tout. Je veux pas me moquer de Pierre, mais ce serait pas la jouvence de l'abbé Souris? Vous laissez pas faire, Pierre. Est-ce que ça a à voir avec Napoléon III, vraiment? Ah ben oui, parce que c'est lui qui a lancé un concours. Il a lancé un concours et c'est cet homme qui a remporté ce concours. Exactement, ça a à voir aussi avec l'actualité. Et on peut lui dire merci d'ailleurs à Monsieur Hippolyte. La santé publique. À Monsieur Hippolyte. Le masque, pourquoi le masque? Contre la pollution. Ah non, du tout. On en a dans notre pharmacie, on en a chez soi. Ah mais c'est pas dans la pharmacie que vous mettez ça. Dans l'alimentation. Ah oui. Dans la gourmandise. La chantilly, non. Le sel fin. Il vous reste 30 secondes. Le miel, non. Le sel fin. Une gourmandise, non. La blanquette de veau. Enfin, c'est une recette. Le bouillon cube. Vous voyez, Napoléon III a lancé un concours de blanquette de veau. Henri IV avait bien fait un concours de poule au pot. C'est vrai, vous avez raison, monsieur Manœuvre. Le bouillon cube. L'eau minérale qui gazeuse. Quoi? L'eau minérale gazeuse, enfin, il a mis du gaz dans l'eau. Est-ce qu'on pourrait connaître la raison pour laquelle Napoléon a lancé ce concours? Non, parce que ce serait trop facile. Elle est même actuelle, cette raison. Purée en flocons. Vous voyez, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Mais oui, bien et sûr. Ce n'est pas c'est contre les Allemands? Pardon? Contre les Allemands? Ah non, c'est pas contre les Allemands, mais là, actuellement, en pleine pénurie de beurre... La margarine. Et oui, il a inventé la margarine, mais c'est trop tard, monsieur Junio. J'ai pas entendu la sonnerie. Il a inventé la margarine. Le docteur Hippolyte Maige-Mouriès et c'est 300 euros pour Martine Morando. La question concerne donc un avion qui s'est écrasé le 3 février 1959 à 0h50, précisément aux États-Unis. Mais qui était dans cet avion? Quelle année? 1959. En 1959. Donc un chanteur. Comment vous dites? Mike Todd, le mari d'Elizabeth Taylor. Pas du tout. Buddy Holly. Ah. Buddy Holly. Bonne réponse de Bernard Mabir. Buddy Holly. Buddy Holly, quand il était au lit, on lui disait il en écrase. Le chanteur Buddy Holly. Vous connaissiez Bernard Mabille? Vous connaissez pas, vous, Christophe? Du tout. Vous connaissez pas Buddy Holly? On a Buddy Holly. Ça fait partie de la culture musicale. Écoutez Buddy Holly. Je suis un culte. De cette génération, non. Ah oui, c'est laquelle alors la vôtre? Je sais pas, non. C'était plus. Non, mais Sinatra, toute cette époque. À partir de cette époque-là, mais avant, je. Ils sont à peu près de la même époque, sauf que Sinatra est pas mort dans C'est ça, il est pas mort, donc si tu veux forcément. Ah, Sinatra, ça, attention, parce que si vous partez sur le terrain de Pierre Bénichoux. Non, mais sérieusement, mon petit gars, là, le petit matelot, là. Dis-moi, Sinatra, il est mort à 22 ans. Non, justement. Ça, il a fait une belle carrière posthume, je dis. Si on chantait du Sinatra. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne idée. Non. On a un trio, là. Écoutez, voilà. Pierre Bénichoux, Ariel Dombal et Christophe Willem. Oui. Laquelle on prend, Sinatra? Strangers in the Night. Strangers in the Night. Alors, c'est vous qui commencez, d'accord, Ariel. Okay. Ensuite, c'est Christophe et Pierre termine. Bon, allons-y. Mais on ne connaît pas les paroles. Strangers in the Night, exchanging glances, wandering in the night. Which were the chances we'd be falling high before the night was through?
Dun da da dun day, dun da 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 day, dun da da dun day, dun da 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 day, dun da da dun day, dun da 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 dun day. Super. À vous Pierre, à vous Pierre. Non non, moi j'ai des fans et je veux pas qu'on me confonde avec ça. Là maintenant, je vous parle de la Madone des matelots, une figure emblématique des années 1930. Voilà. Et oui, c'était les années folles et elle a popularisé, on peut dire, le milieu lesbien parisien. C'était assez précurseur à l'époque, vous imaginez. Oui, bah oui. Elle interprétait ses amours saphiques. Suzy Solidor. Comment vous dites ? Suzy Solidor. Comment vous savez ça, vous ? Parce que j'aime beaucoup la chanson des années 30, parce que je suis très moderne comme garçon. Eh bien oui, c'est Suzy Solidor. Bravo. Bravo. Je ne connais pas, alors. Excellente blonde réponse. Platine, elle était comme Chantal Latsou. Il y avait un documentaire sur elle, là, sur France 5, et elle expliquait d'ailleurs que pendant la Première Guerre, elles avaient bien fait de s'amuser. Et on a bien fait de s'amuser, on savait que ça durerait, on croyait que ça durerait pas. Et c'est vrai que c'est une des chanteuses, artistes, garçonnes, Madone des matelots, qui a été une des pionnières du genre. Mais il y a des enregistrements, parce qu'elle est morte dans les années 80, vous voyez, c'est pas si... Ah ouais ? Ah oui, elle est décédée en 1983. Elle était née en 1900 et est morte à 83 ans. Suzy Solidor, voici sa voix, Suzy Solidor. Ça craque un peu parce que Michel Faux n'a pas eu le temps de nettoyer le disque, mais... Non, mais au moins, on comprend ce qu'elle dit. Ouais, c'est pas de la loi de Leroy. Oh. Mais en tout cas, on sait être lesbienne, enfin, les lesbiennes, on le voit en poupe. Hein. On les voit partout. En groupe, en groupe. Mais non, mais elles sont dans toutes les séries. Moi, je regarde toutes les séries. Il y en a partout. Maintenant, il faut des nanas, des noirs. C'est l'enfer. N'importe quoi. Avec Michel, on a voulu faire la suite de Top Gun. On n'y arrive pas. Non, Top Queen, ça peut marcher. Ah oh là 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 là. Non, mais moi, j'ai jamais autant vu de Gwyn, en tout cas, dans le cinéma, ou dans les séries. Non, c'est vrai. Les... Non, mais c'est vrai. Heureusement, mais tant il y a José Taillant. Heureusement, il y a José Taillant. Mais tant mieux pour elle, tant mieux. Parce mais que nous, on nous a beaucoup vu, elle moins, je trouve. Eh oui, voilà, c'est pour ça que je tente beaucoup, d'ailleurs. C'est vrai que tu fais un peu. Ah, ben bah, non, mais chez les chanteuses, c'est pareil aujourd'hui, bien sûr. De nombreuses chanteuses sont. Ah, bah ouais. Mais oui, mais c'est bien. Avant, elles n'osaient pas le dire. Maintenant, elles le disent. Voilà. Comme quoi ça a changé depuis Suzy Solidor et c'est un progrès, monsieur Boulet. Ah, mais moi je suis pour, mais tant mieux. Ah mais ouais, sauf mais... que quand même, dès que j'allume la télé, je ne vois que ça maintenant. À chaque fois que j'allume, je vois deux femmes qui s'embrassent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'y non, peux mais rien. C'est bien, on apprend les trucs, mais à quel point. Sinon, je sais pas, je dois être maudit. Bah non. Enfin, pas maudit, mais. C'est mais, bien. Mais je mais te c'est jure bien. Que j'en ai même fait la réflexion à mon ami, je me suis dit, mais t'as vu ça quand même ? Dès que je prends la télécommande, je ça, c'est génial. Où je choisis une série. Voilà que maintenant, ils sont choqués parce qu'il y a deux femmes qui s'embrassent à la télé. Bon, tant mieux. Il y en a quand même beaucoup en ce moment. Ah non, mais alors, j'aurais tout entendu ici. Vous êtes lesbianophobe. Vous êtes lesbianophobe. Bah c'est arrête, ma meilleure copine était lesbienne. J'ai même vu la Dame Blanche avec une copine lesbienne sur une route de Normandie. Mais arrête, ta meilleure copine, c'est Alessandra Sublet. Même sa mère était lesbienne. Ah non, mais j'adore ça. Ça devrait vous faire plaisir. Plus il y a de femmes homosexuelles, plus il y a d'hommes de libre. Ah bah oui, non, mais... Réfléchissez. C'est un peu oui, ça, cette question concerne le moine Jacques Clément, qui fut transpercé d'épée de hallebarde avant d'être jeté par la fenêtre. Pour quelle raison ? Ben il avait inventé la clémentine. Il voulait tuer le roi. Je suis obligé de vous dire non, Jean-Jacques Péroni. Il a tué le roi, Henri III. Henri IV. Pas Henri IV, c'est Ravaillac. Eh oui, Henri III. Elle fait jupon de l'histoire. Ouais, mais non. Ah non, mais écoutez, longue à fourchu. Ah ben, franchement. Est-ce que c'est le même qui a fait la clémentine ? Non, et c'est bien Henri III qui fut assassiné par effectivement le moine Clément. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Eh oui, enfin Christine, bravo. Mais non, attends, je pensais à Henri IV pour une autre raison.
Ah, tu pensais qu'il y aurait une question sur la poule au pot? Oh, les cons. Comme quoi, c'est bien la preuve. C'est bien la preuve qu'il ne regarde pas l'émission. Destin d'Henri III, le dernier des Valois, un souverain excentrique qui avait ses mignons, qui portait des boucles d'oreilles, dont on n'est pas sûr pour autant qu'il fût homosexuel. Non, il y a un truc. Parce que c'était la mode de se mettre des pendants d'oreilles et c'était pas pour ça qu'on était de la retourne. En même temps, il a quand même eu une réaction bizarre quand le moine Clément s'est retrouvé en tête-à-tête avec lui. D'abord, il était sur sa chaise percée. Hein. Il était en train de... Et selon la version des chroniqueurs de l'époque, le roi reste sur sa chaise percée. Certains disent qu'il s'est levé, mais d'autres disent qu'il est resté sur sa chaise percée pour continuer à parler avec Jacques Clément, le moine en question. Et le moine en profite pour frapper le roi au bas-ventre avec le couteau qu'il avait dissimulé sous son habit. Sous sa bure. Voilà, Henri III se lève, arrache le couteau de son intestin qui est perforé et il s'en sert pour frapper son assaillant quand même, en criant « Méchant moine, tu m'as tué !» c'est mignon. C'est vrai qu'il était viril. Et là, quand même, on a des doutes. Il y a un doute, oui. Je vous jure que c'est la phrase qu'il aurait prononcée. Il aurait rajouté « Non, pas les affaires. » Méchant moine, tu m'as tué, c'est quand même bizarre comme phrase, non? Mais c'est du vieux français. Ah oui? Oui. Une fois que le moine Clément s'est approché du roi sous prétexte de lui remettre un message confidentiel, qu'il a fait mine de prendre ses lettres sous son manteau, c'est là qu'il a sorti un couteau poignardé Henri III au ventre. Et là, mieux, non seulement il lui aurait dit « Méchant, tu m'as tué », mais il aurait giflé son assassin. Ouais. Et il aurait dit « Passe-moi le PQ aussi. » Il lui a dit « Pas le droit de retoucher son père. » C'est quand même curieux. Et là, en revanche, évidemment, les gardes ont été alertés, les fameux 45, et ont transpercé le moine de leurs hallebardes et de leurs épées, et ils ont jeté le corps du moine par la fenêtre. Voilà. Le roi n'est pas mort tout de suite, lui, en revanche. Bah non. Il a eu le temps de tirer la chasse. Oui. Non, mais c'est quand même marrant de savoir qu'Henri III est mort sur le trône, c'est le cas de le dire, assassiné par un moine. Ça s'appelle un accident de chiasse. Vous apprenez des choses ici, Christina. Ah voyez, oui, très intéressant. L'histoire de France est importante quand même. Très important. C'est Henri IV qui était marié avec... Mais on ne vous parle pas d'Henri IV. On vous parle d'Henri III. Mais moi, c'est Henri IV que j'aime. C'est Henri IV que tu connais parce que c'est celui que tu as révisé. Non, mais pas du tout. C'est un fils de Catherine de Médicis, Henri III. Elle en a pondu plein des fils et c'est quand même incroyable qu'il reste personne à la fin que ce Henri III pour porter les Valois encore sur le trône. Il n'y a plus de Valois. Ils sont tous morts. Heureusement que c'est la pub, hein. Non mais c'est incroyable ce qui est incroyable c'est que ce Jacques Clément va tuer les Valois. Il a pas seulement tué un roi. Il a mis fin à la lignée, c'est quand même... Ce qui est fou, c'est que les deux rois de suite se soient fait assassiner. Ça, c'est vrai que... C'est incroyable. Clément, le moine Clément pour Henri III, Ravaillac pour Henri IV, ça leur a donné des idées de régicide. Incroyable, oui. Une anecdote, Christine? Oui. Sous Henri V? Bah, Louis XIII s'est pas fait assassiner. C'est vrai. Voilà, celui qui a donc succédé à Henri IV et dont c'était le fils, bien sûr. Dis donc, elle va pas remonter toute la lignée, là. Et Dagobert, il a vraiment mis sa culotte à l'envers ou pas? Ah bah ça, il faut demander à Christina Cordula, c'est elle pour ce qui est de l'habillement. À Christina. Je sais pas, chérie. Elle connaît pas Dagobert. Mais non, je sais pas. Dagobert, le chien dans le Club des Cinq. Oh, tu te rappelles? Bah oui, quand même. Et Claude. Et Mick. François. Mick. Ah bah vous voyez, vous êtes plus doué pour la Bibliothèque Rose que pour l'Histoire de France, Christine, bravo. Une question pour Ilan Couronnet, qui habite Vertoux en Loire-Atlantique. Quelle célèbre parole de chanson doit-on à Jacques Sevin, qui était un prêtre jésuite français, qui d'ailleurs fut déclaré vénérable par le pape Benoît XVI en 2012? Oh là. Dominique Nick-Nick. Il n'y a que des curés dans cette émission. Dominique Nick-Nick, non. C'est un petit peu cochon, le curé de cabaret, par exemple. Ah non, ce n'est pas cochon du tout. Non, ce sont des célèbres paroles qu'il a écrites. Écoutez bien, ça ne date pas d'hier. Il a écrit ces paroles en 1920. Des paroles françaises, hein. Attention. Le temps des cerises. La chanson existait déjà, ou plutôt la musique existait déjà de façon internationale, mais on n'avait pas de paroles françaises. Ah. Et lui, monsieur Sevin, qui a fondé aussi les scouts de France, hein, il faut le dire, monsieur Sevin a écrit les paroles célèbres. Il a fondé l'Office international des scouts catholiques et il a, avec le chanoine Cornette et d'autres pionniers, fondé les scouts de France. Aïli Aïlo? Aïli Aïlo, non. le
déserteur ? Ah, le déserteur, non. Non. Une chanson de marche ? Une chanson de marche, pas vraiment. L'international, non. L'international, non, non. Non, je vous demande quelle parole exacte Jacques Sevin a écrite en 1920. Lui, effectivement, il est mort en 1951. Quand je vous dis que le pape l'a rendu vénérable en 2012, c'est que c'est très long, hein, toutes ces procédures avant que quelqu'un soit sanctifié, canonisé ou devenu vénérable. Voilà pourquoi ça date de 2012 seulement. Mais il est mort en 1951 et les paroles, il les a écrites en 1920. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir m'en foutre un coup. Oh, oh non. Écoutez, la façon dont vous vous réveillez le matin, monsieur Mabille, ne nous regardez pas. L'amas de long ? L'amas de long, non. C'est une jolie chanson. Ah oui, c'est une chanson qui met la larme à l'œil, généralement. Ah, bon, à la Claire Fontaine. Roses blanches. Les roses blanches. Les roses blanches. Ah, les roses blanches, non. À la Claire Fontaine. À la Claire Fontaine, non. Le petit coquelicot ? Ah, le petit coquelicot, ça fait comment, Julie ? De Mouloudji ? Oui. C'est un petit coquelicot. Non. Un petit coquelicot, madame. Un petit coquelicot nouveau. C'est une chanson non, que c'est... tout le monde connaît. Ah oui, oui, madame Mergaud, oui. Tout ah. le monde ? Une chanson enfantine ? Mais c'est vrai que le sens n'est pas le même chez nous en France qu'à l'étranger. C'est-à-dire tout le monde connaît la musique. Cette musique est utilisée pour d'autres raisons que chez nous en France. Pour un hymne ? À la marche nuptiale ? La marche nuptiale, non. Pour, des pour un pubs. Anniversaire ? Un anniversaire, non. Des pour pubs. Un hymne ? Des pubs, non. Pour c'est un une chanson enfantine ? Une chanson enfantine, non. Hymne. Ça touche à Noël ? H-Y-M-N-E. Hymne. Je demande hymne. Mais tu parles doucement, alors on t'entend. Non, il m'entend pas. Ce ne serait pas pour un hymne. Est-ce que c'est... Voilà quand vous reprenez votre voix normale. Est-ce que c'est une chanson que connaît l'invité mystère ? Sûrement. On va vérifier maintenant. Vous l'avez sûrement entendu souvent. C'est une chanson de matelot ? De matelot, non, mais... De mer, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Non, mais c'est vrai qu'on lui a forcément souvent chanté à Olivier. Ah oui, on m'a chanté plein de choses. Ah, c'est une chanson d'adieu ? Oui. Ah, ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Et la suite, vous connaissez la suite des paroles ? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, oui, nous reverrons. Mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Facile à se souvenir. C'est pas cassé. Hein. C'est une musique écossaise au départ. Il ne s'est pas foulé. Hein. Et pas cette foulé, musique aux États-Unis. Oui, c'est au Nouvel An. Exactement. C'est la chanson du Nouvel An aux États-Unis. Voilà, c'est la chanson du Nouvel An. Ça n'a rien. C'était pas la question. Mais c'est un complément d'information. Je suis désolée. C'est pas la question. Elle a raison. Ils vont chanter ça à Europe 1, ce n'est qu'un au revoir. Même pas. Julie. Non. Ce n'est qu'un au revoir. Et maintenant, les locaux se vident lentement d'un personnel qui a très longtemps hanté la station. Adieu, toile d'araignée, vieil animateur et animatrice passée de mode. Changez de trottoir et partez vers un destin lointain, dans la banlieue maudite de Neuilly. Et c'est comme ça que la malheureuse Julie, orpheline de radio, arriva chez Madame RTL, qui l'a mis sur ses genoux. « Bonjour, petite Julie. Veux-tu venir aux grosses têtes avec ce crétin ?»« Oui, 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 avec joie. » »« Avec joie, dit-elle. » C'est pour ça que cette femme blonde est assise à nos côtés de nos jours, et qu'elle dit des choses facétieuses, souvent intelligentes, et jamais ennuyeuses, n'est-ce pas, mes cocos ?» Ce n'est qu'un au revoir. Au revoir, Julie, tu rentres Europe 1. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà, c'est un hymne écossais, cette chanson, et on l'utilise aux États-Unis. Elle a raison, Julie, pour le Nouvel An. C'est Sophie Domier, Guy Bedos, dans un célèbre sketch, qui chante ça devant le lit d'hôpital de quelqu'un qui est en train de mourir. Oui, ah oui, et à chaque fois, ils reprennent, ils font ce n'est qu'un au revoir. Et bien, vous saurez désormais que c'est le prêtre Jacques Sevin qui a écrit les paroles de cette chanson. Il est mort d'ailleurs de façon assez curieuse à l'issue d'une messe et il tenait son crucifix à la fin de la messe et il est mort et il a dit lui, en parlant de Jésus-Christ, vous voyez, lui c'est mon compagnon et paf, il est mort. Et des fois vaut mieux, il n'y a pas une mire. Ce n'est qu'un au revoir. Jamais vous nous apportez un pot de rillettes. Non, c'est vrai. Bientôt, je m'y attelle. Ah oui, vous avez vu, hein, les progrès en vocabulaire. Je m'y attelle.
Oh, Isabelle Mergault a très très chaud. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais alors elle est bras nus. Mais lâchez-moi, regardez. Comment tu t'appelles ? Gazan. Gazan, il a un petit t-shirt pareil. Vous pourriez faire un effort et vous souvenir déjà du prénom et du nom de vos camarades, Isabelle Mergault. Faites un effort. Lui, c'est Florian Gazan. Elle, la blonde, là. Enfin, la blonde. L'ex-blonde. Dites donc, ça fait combien d'années que vous n'avez pas fait vos racines, vous ? Mais. C'est vrai que. C'est très bien, j'ai des racines espagnoles. Ah bah elles sont bien enterrées, là. Faut pas changer les habitudes des poux. C'est les racines d'une veuve espagnole. Enfin, Il n'y a pas un petit shampoing à la maison. Mais enfin, mais arrêtez avec ça. Vous savez très bien que je viens avec un casque sur la tête. Ah, bah, c'est quand même pas le casque qui vous graisse les cheveux. Ça graisse pas les cheveux, c'est pas gras, mon pote. C'est juste. Je ne suis pas votre pote. Non, oui, ça c'est vrai, vous êtes mon ami. C'est vrai. Vous n'avez jamais proposé L'Oréal de vous donner des petits échantillons. Oh, écoute, je fais une réunion de produits Avon à la maison. Ça existe encore. Vous vous souvenez de ça, vous aussi? Ah bah oui, ma mère vendait du Avon. Ah oui, moi, mais c'est ma grand-mère. Non. Ah, mais vous, c'était du Avon de Marseille. Non, du Havre, monsieur. Ah, les produits Avon, c'était génial. Ah, c'était mieux. Ouais. Comme on dit, c'était mieux avant. Hein. Vous connaissez pas ça, Stevie? Ah, si, on avait une mallette. Oui, avant, elle faisait Tupperware en général. Hein. Alors, l'après-midi, c'était réunion Tupperware et le soir, réunion des produits Avant. Et maintenant, c'est God. Oui, il y a des réunions de... Sextoy, Pas chez ma grand-mère. Mais oui, oui. Jamais vous faites des réunions comme ça, vous, Isabelle Mergault? Moi, je me réunis pas. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, avant de voir quelqu'un... C'est vrai qu'on me fout la paix. Je me fais même pas livrer à domicile, pour vous dire. Hein. Pourquoi vous faites pas livrer à domicile? Parce que je veux pas qu'on sonne. Ah oui. Tu veux pas qu'on décharge chez toi, alors? Mais du coup, elle se fait livrer ailleurs, elle mange jamais, en fait. La seule réunion que vous acceptez, c'est celle-ci, rue Bayard, pour les grosses têtes. Et voici pour vous, chère grosse tête, une première citation. Madame Julia Eisenman, qui habite Cagnes-sur-Mer, espère évidemment 300 euros. Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. Sacha Guitry ! Bonne réponse d'Isabelle Mergault. Plus difficile, ce sera pas dur, remarquez. Qui a dit, et ce sera une citation pour Benjamin Potet, qui habite Fontaine et Toupefour. C'est dans le Calvados. Les femmes devinent tout. Elles ne se trompent que quand elles réfléchissent. C'est pas Sacha Guitry. Ce n'est pas Sacha Guitry. Molière. Corneille. Ah non, c'est bien après Molière. 19e. Non, 19e siècle, oui. Alors non, Hugo. Non, arrondissement, oui. Rousseau. Zola, Hugo. Non, mais en plein 19e en plus. Bravo, Christine. En plein milieu, vous voulez dire. Vous trouverez jamais son nom, mais au moins vous avez trouvé le siècle. Pourquoi je trouverai jamais son nom? Parce que vous ne le connaissez pas. Et moi? C'est un romancier, un journaliste. Il est mort à Saint-Raphaël. Il était né le 24 novembre 1808 et il est mort en 1890. Quand même, vous voyez, il est mort vieux, hein, 80-82 ans. Il a écrit des trucs un petit peu connus qu'on aurait étudié à l'école? On peut pas dire ça. Dans la Pléiade. Il a surtout été journaliste, hein, pour tout vous dire. C'est pas ses romans qu'on a retenus principalement. Mais il était chroniqueur. Mais non, il était pas chroniqueur. À l'époque, les gens travaillaient. Allez. Beaumarchais? Non, pas Beaumarchais. Non, mais cherchez pas vous non plus. Je peux vous dire qu'avec Victor Hugo, ils appartenaient à la Ligue populaire contre la vivisection. Ça devrait vous aider. Ah, Brigitte Bardot. Alphonse Karr. Vous savez ce que c'est la vivisection, Stevie? Oui, c'est quand on coupe. Voilà. Ça, c'est la Stevie-section. Il a une rue. Oh, une rue, n'exagérons rien. Une impasse, un cul-de-sac. Un parking, il a un parking. Alors, des parkings, il en a, croyez-moi. Vinci. Non. Géodis. Sous-sol. Non. Moins 3. Non, enfin écoutez. Là, je vous ai donné une grosse indication. Alors, tout de même. Comment... Gustave Parking. Mais non. René Char. Mais non. Ça, c'est pas bête, alors, René Char. C'est pas ça, mais oui, c'est pas bête. Il y a bien sûr, il y a des chars dans les parkings. Oui, au Québec, on dit des chars. Charrette. Pierre Charrette. Pierre Charrette, non. Vélo. Mais non, enfin écoutez. Jean-Michel Cabriolet. Mais non. Caddie. Camion. Eh ben, il y a des caddies dans le parking. Il y a des caddies dans le parking. Ah ouais. Sur les parkings. Eh ben, c'est pas des caddies. Au rodateur. Ben non, enfin écoutez. Monsieur Caisse. Bernard, je vous ai. C'est un nom de véhicule. J'en suis rien, Laurent. Je vous ai connu plus en forme, Bernard. Ben non, mais je suis très en forme, mais je n'en sais rien. Barrière. Quoi, Barrière? Eh ben, Monsieur Barrière. Alain Barrière. Voilà.
là, déjà 300 Bernard, euros. Bernard, merde. 300 euros pour Benjamin Potet. C'était Alphonse Karr. Je l'ai dit. Elle l'a dit. Je l'ai dit, Alphonse Karr. Alors, 150 euros pour Monsieur Potet, 150 euros pour Isabelle Mergo. Attendez, Laurent, il te représente quoi pour Je vous jure, je n'ai pas entendu Alphonse Karr, ma chère Isabelle. Elle l'a dit. Regardez, je vous donne même des questions sur Sacha Guitry pour que vous puissiez me dire Sacha Guitry. Oui, et c'est pour ça que j'ai été surpris. J'ai dû entendre Sacha Guitry. Oui, voilà, c'est ça. Je suis tellement bête. Non, mais tu l'as dit. Moi, j'allais le dire. Et comme tu l'avais dit, on a dit. Pareil, on s'est tous regardés. On a dit, elle l'a dit. Parce qu'on oublie, quoi. On y a tous pensé, Alphonse Karr. On était tous Karr à fond. On voit quand même que le mouvement MeToo l'a emporté, tant mieux, hein, parce qu'il était important que les femmes soient protégées du harcèlement masculin qu'on connaissait, mais on voit que ça a eu de l'effet, parce que Pierre Bénichou, il y a quelques mois de ça, il aurait attaqué cette jeune femme au premier rang. Ouais. Et là, c'est fini, vous voyez. Voilà. Ou alors, c'est autre chose. Mais ça s'appelle l'andropause. C'est autre chose, à mon avis. Comment ça se fait, Pierre, alors? En fait, il fait des clins d'œil très discrets. Tu leur dis rien. Hein. Ah, c'est déjà fait. Je sais pas si je pourrais à 13h15. Mais 13h22, c'est possible. On est deux avant. Ouais. Largement le temps. Deux en 7 minutes. Je vous signale qu'on termine à 18h, Pierre. Je prends mes rendez-vous pour demain. Franchement, Pierre, je suis quand même un peu tristouné pour vous. Vrai, moi aussi, j'ai vu. On continue. Moi, j'ai à peine vu en m'asseyant. Écoute, il y a que des lascars, là. Regardez, avec des t-shirts, des machins. C'est encore heureux qu'ils n'ont pas de shorts. Et les chaussures. Vous jouez tous au basketball? on a interrompu un match. C'est vous qu'on appelle les Harlem Globetrotters ou quoi? Mais elles sont tellement humiliées d'être à côté de... Venez ici, les petites, là. Hein. T'as réveillé la bête, Laurent, bravo. Ben oui, quand même, de temps en temps. Enfin, on l'a connu un peu plus réveillé, quand même. Il n'y avait pas besoin que je mette une carotte au bout du bâton avant, vous voyez. Ah oui, la carotte. C'est vrai, quoi, tu n'aimes plus les femmes, Pierre? Ah. C'est vrai, normalement, t'as toujours, dès qu'il y a une belle femme, normalement, tu dis toujours des petits trucs. C'est pas très gentil. Parfois avec finesse, parfois un peu moins. C'est pas très gentil de dire que dès qu'il y a une belle femme, je la regarde. Non, mais avant, tu leur disais... je vous emmène faire un tour en bicyclette. Et elle disait, mais c'est un vélo de femme. Elle dit, c'est pas grave, vous allez monter sur le cadre. C'est joli le cadre, mais c'est devant ou derrière la bicyclette? Ça dépend, comme vous. Le cadre, c'est devant, il est entre la selle et le guidon, si tu préfères. Le cadre, c'est la bicyclette. Ouais. Ça peut être ni devant ni derrière. C'est l'ensemble, en fait. Sinon, c'est un porte-bagages derrière. Oui, à bonbon. Comment des bicyclettes en espagnol? Vous ne faites jamais la bicyclette. Vélo, la bicyclette. Eh bien, il m'est arrivé d'en faire, c'est vrai. Mais j'ai surtout fait du tricycle. Ah oui. Mais j'adore le tricycle. Quand vous étiez petite, quand même. Oui, c'est ça. Après, vous êtes passé à deux roues, quand même. Non, après, et à cheval, vous montez comment? En Amazon, c'est ça? Non, j'imagine. Non, sur le garde-boue. J'ai beaucoup monté à cheval, justement, au Mexique. En Amazon, c'est ça, c'est... Avec, justement, les selles mexicaines qui sont comme les selles de Western, qui ont, vous savez, un espèce de pommeau. Ah oui, donc, ça approche, quoi. Mais non, mais ça m'a coûté très cher. Aïe, pour la virginité, généralement. J'imagine la suite. Quand je suis arrivée à Paris, il y a un très beau garçon qui m'a dit, mais est-ce que tu sais monter à cheval? Alors je dis, pero claro que si, je viens du Mexique, etc. Je monte très bien. Il m'a dit, ah bon, ben allons dans la forêt de Rambouillet. Là, à mon avis, il faut commencer à se méfier. Hein. Et alors, il m'a présenté à ses amis. Non, alors... Ils ont une fois arrivé dans la forêt, bonjour. Il n'y avait pas de cheval. Non. Et bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Trébert. Et effectivement, elle montait très bien. Non, mais alors justement, j'ai vu arriver une immense jument. Ah. Et ils me disent, mais voilà, c'est une jument de course, etc. Ça ne te fait pas peur et tout. Je dis, mais non, pas du tout. Et en fait, j'avais peur parce que justement, ce n'était pas la selle de cowboy. Et je suis montée sur cette grande jument.
Elle est partie, mais à fond la caisse, à travers la forêt de Rambouillet. Et finalement, je suis tombée. On a tenté la chute. Mais c'était ça, la chute. Je suis tombée, je me suis fait très mal. Mais non, pas du tout. Je peux poser une première question dans cette deuxième heure. Si ça vous amuse encore, allez-y. Oui, quand même. Oh non, celle-là, elle est trop dure. Ah non, non, c'est ça, vas-y, dis-le. C'est très, c'est très vexant. Celle-là, elle est trop dure, c'est la première fois que je l'entends dire ça. Oui, c'est à la réception de l'hôtel, le mec fait pas gaffe. Mais il y a vous vous foutez de mes questions. Oui. Mais ben, sympa, il fait pas attention, il met un coup de coude à une dame, dans le sein, dans son sein. Alors il est consterné, il dit, je vous demande pardon madame, mais si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je suis sûr que vous allez me pardonner. Et là, la fille, elle lui dit, ben, si vous êtes aussi dur que votre coude, je suis dans la chambre 23. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Paul Scotti habite Mantes-la-Jolie. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Que faites-vous dans la vie, Paul ? Je suis retraité d'un grand armement qui a fait vivre la ville du Havre, la CGM. Ah, ça alors, la CGM, ouais, mais bien sûr, ça me dit quelque chose. Voilà. Et maintenant, vous êtes retraité à Mantes-la-Jolie. Oui, j'ai été le dernier centralisateur du USS France. Vous avez 78 ans, Paul. Oui. Et vous écoutez les grosses têtes depuis très longtemps, j'imagine. Oh, depuis très, très, très longtemps. Bon, on n'est pas été trop... Oui, mais vous êtes pieds noirs, quand même. Effectivement, mon cher Pierre, c'est pour cette raison que je suis content de, bien sûr, de vous avoir en face. Eh ben, je reconnais pas les accents, moi, je suis quoi, moi ? Oui, je suis un pathos, moi, ou quoi ? Bien sûr. Mais comment vous avez reconnu l'accent ? Non, entend, moi aussi, j'ai reconnu. Bien sûr, ça s'entend un petit peu. On reconnaît. C'est un oranais. C'est avec le cœur. Pénichou. Oui, vous êtes Alger ou Doran ? Doran. Ben, comme moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un compatriote de Pierre, et je reconnais en lui, malgré ses 60 années de parisianisme, il a conservé tout le côté tchatcheur et dragueur d'un oranais. Oranais. Voilà, vous pouvez dire... Je pense que le Viagra y est pour beaucoup. Non, mon cher Pierre, il y a une seule chose, ça fait de nombreux mois que je tenais à remettre les pendules à l'heure. Car effectivement, sur la première radio de France, Monsieur Pierre Bénichoux s'est proclamé comme le plus beau bébé d'Oran. Oui. Je lui reconnais ce titre, mais comme étant mon successeur. Voilà ce que c'est. En 1937, lors des fêtes de la ville d'Oran, et le jury m'a désigné sous le patronage du maire de l'époque, qui était l'abbé Lambert. L'abbé Lambert. Il était en soutane et il disait, on va vous mettre l'eau douce. Voilà, hein, et on a eu l'eau douce après. Et il avait fait... Dis-moi les amis, on va vous laisser. Hein. Je peux peut-être vous poser quand même la question de challenge, Paul. Vas-y. On va aller, puisque j'ai eu le plaisir d'avoir mon Pierrot que je suis depuis pas mal de temps. Bon. Allez, Paul, je te fais la bise, va. Moi aussi, au revoir, Pierre. Au revoir. Ben non, mais raccrochez pas. Non, journée, on y va, allez, on joue pas. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, il a rencontré un ami. J'ai rencontré un ami, c'est dommage qu'on se voit pas pour voir l'anisette ensemble. L'anisette, vous allez peut-être pouvoir la boire, parce que devinez quoi, c'est justement à Marseille qu'on va peut-être vous envoyer. Alors on va voir. Oh, la question est très facile, hein. Normalement vous devriez pouvoir y répondre. Si je vous dis 24 plus 36 égale 60, de quoi je vous parle ? C'est le nombre de pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour l'Olympique de Marseille. Ah non, on nous cette a année. Roulé avec deux pénaltys, mais pas 60. Non, pas 60 quand même. Bah, presque. C'est un rapport avec les rafales, non ? C'est bien sûr. Bonne réponse de Bernard Mabille, la vente des rafales. Oh, je suis désolé. Autant pour moi. Pierre, tu l'emmèneras à Marseille quand même. Non mais tu fais perdre un ami à moi. Qu'est-ce que tu connais des rafales, toi ? Hein ? Enfin, tu as été pilote de chasse, toi ? Moi, oui. Quand je te vois, c'est plutôt un mirage. Hein. Je suis désolé, c'était trouvable en plus. Hein. Ça ne fait rien, j'ai eu le plaisir de vous avoir tous. Bonne continuation et c'est très bien. Bah, écoutez, vous embrasse. Une montre RTL quand même, Paul. Oui, une montre RTL pour ma femme.
qui n'est pas une oranaise, mais une bélabésienne. Aïe, aïe, aïe. Remarque, ils étaient bons, le SCBA, hein. Ils étaient bons, le Sporting, hein. Ouais. Sporting Club bélabésien. Oui, mais moi, j'étais au CDJ, alors. CDJ. Vous, vous devriez partir en vacances ensemble. Club, Club des joyeusetés. Laissez vos coordonnées, Paul, vous finirez ça avec Pierre. À un autre moment, peut-être. Comment elle s'appelle, madame? Madame, c'est Janie. Janie, elle a le droit à une montre RTL. On vous embrasse, Paul. Je vous embrasse à tous. Question qui concerne Mardi Gras. Pouvez-vous compléter ce dicton du Mardi Gras? Un Mardi Gras qui n'a pas de viande tue son coq. Qui n'a pas de coq? Tue son chat. Non. Tue son voisin. Non. Tue son chien. Son non. papa. Non. Tue sa chatte. Sa pas loin, remarquez. Sa poule. Un Mardi Gras qui n'a pas de viande tue son coq. Qui n'a pas de coq. Tue sa poule. Non. Tue sa femme. Tue sa femme. Ah, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est sympa, toujours, ces trucs-là. Oui. Enfin, hein, franchement. Oh, oui, c'est toujours donc, agréable. J'adore, moi, les dictons. Bien sûr. C'est Mardi Gras, il faut en profiter. Et un autre dicton, ah. Plus facile, celui-là, ça fait une deuxième chance pour Nathalie Mallet tout de même. Le jour de Mardi Gras, si les noyés sont mouillés, il y aura... Trop de noix, plein de noix. Il y aura des noix. Bonne réponse. Ah oui, c'est les noyés, l'arbre. Ah bah oui, parce que les noyés, autrement, ils sont toujours mouillés. Oui, oui c'est vrai, moi, je crois que c'est un truc sur la vie. Parce qu'il a mal prononcé, il a dit noyé. C'est un peu exprès, évidemment, que j'ai posé cette question. Oui, parce que si les noyés sont mouillés, un noyé, c'est souvent mouillé. Oui. C'est vrai. Ah oui, c'est mouillé, oui. C'est la semaine des crêpes, en tout cas, et Chantal là-dessous va évidemment vous rappeler la meilleure recette pour préparer ce soir vos crêpes et ainsi faire rouroute à la maison. Alors, allons-y, Chantal. Alors, un peu de farine dans un saladier, un creux dans la farine. Ouais. Vous mettez des œufs, 5 œufs, le blanc et le jaune, et vous remuez. Avec un peu de sel. Et moi, je mets de la bière dedans. Et après, qu'est-ce que vous voulez manger? Non, moi, je le mets dans un truc, vous savez, un Magimix, là. Prrr, ça va très vite. Ouais. L'autre fois, il s'est ouvert, il y en avait partout. Elle raconte bien. Oui, et ensuite, et ben, vous la laissez reposer. Si et après, tu pètes et tout le monde s'en va. Et avec la comptine, est-ce que vous connaissez la comptine, évidemment? Mardi Gras, t'en vas pas, tu mangeras des crêpes. Mardi Gras, t'en vas pas, tu mangeras du chocolat. Ah, non, je la connaissais pas, elle est belle. Ah oui, oui. Mardi Gras, t'en vas pas, je fais des crêpes. Je fais des crêpes. Mardi Gras, t'en vas pas, je fais des crêpes et t'en auras. Voilà. On n'a pas l'air, alors. Bon, je connais pas l'air de la comptine, mais Pierre Bénichoux va vous l'interpréter. Oui, vas-y, allez. Mardi Gras, je fais des crêpes. Mardi Gras, je fais des crêpes et t'en auras. J'ai oublié le lait. Je me disais bien. Je sais pas si je te dis, je suis né un Mardi Gras. Oui, vous nous l'avez dit hier, monsieur Bénichoux, déjà. Ah bon ? Mais le Mardi Gras ne tombe pas forcément tous les mêmes mardis. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes né aujourd'hui, enfin né aujourd'hui, que c'est votre anniversaire aujourd'hui, non, 9 février. Non, c'est pas l'anniversaire, non, ça varie sur un mois. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont nés le Mardi Gras. Vous êtes né un 1er mars. Et c'était Mardi Gras, ce 1er mars. Mardi, 1er mars. Vous êtes sûr de ça ? Non, penses-tu ? Ma mère, c'est une menteuse, ma grand-mère aussi. Mon père, mes cousins, tout ça, c'est pas voilà. du tout. S'ils non, sont aussi mythos que vous, oui. Je suis né un vendredi saint, tu penses. C'était quel... On peut vérifier ça, tiens, on va vérifier. Est-ce que d'ailleurs. C'est à l'état civil ? Oui, oui. C'était quelle année, ça, Pierre, votre naissance ? On peut pas lui demander ça. 1938, voilà. Vous le savez maintenant. Là, regardez. Ah, déjà, on vient de vérifier, c'était bien un mardi, Pierre. Mais pourquoi je vais inventer ça ? C'est tellement glorieux. Ah non, 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 dis donc. Tu sais pas, mon cousin Marcel, il est né un jeudi. Oh. Vérifie, il est mythomane. Et on vient de vérifier, c'était bien le Mardi Gras. Pierre, tu es sûr ? Et ma grand-mère me disait, non seulement tu es né le mois des fous, mais en plus le jour des clowns. Pierre Bénichoux, vous savez combien de jours se sont écoulés depuis votre naissance ? Non. 28 469 jours. Il n'y a pas eu un jour de bonheur. Tous les auditeurs sont suspendus auprès de leur poste. Et vous, et vous êtes du tigre, Pierre Bénichoux. Alors, je suis poisson ascendant lion. Non, mais ça, c'est le chinois. C'est les Chinooks. Ah, c'est les Chinooks. Tiens, à propos, bonne année chinoise. C'est l'année du singe, il paraît. Qui est né un 1er mars comme vous, Pierre Bénichoux ? Je sais pas pourquoi on fait ça alors qu'on n'est pas du tout le 1er mars aujourd'hui. Non, mais, non, mais c'est pas grave. Mais on est Mardi Gras en même temps. Voilà. Alors, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Frédéric Chopin est né un 1er mars comme vous, monsieur Bénichoux. Oui, il aimait bien les polonaises comme moi.
David Niven, l'acteur, qui lui n'a pas été coupé au montage. Robert Conrad, vous vous souvenez? Ah oui, Papy Boyington, James West. Génial, oh, voilà. Les Mystères de l'Ouest. Oui. Gorbatchev, comme vous, est né un 1er mars, Pierre. Moi, je l'aimais bien parce qu'il y avait une tache de vin. Ah oui. Et Jean Edernalier était né comme vous, un 1er mars. Vous voyez, Pierre. Moi, je suis poisson, comme toi, et c'est la queue qui nous dirige et le liquide qui nous maintient. Une question pour Pascal Stark, qui habite 11 ans dans le Loir-et-Cher. Vous avez sûrement appris aujourd'hui que le pullover iconique de Lady Diana avait été vendu 1 million de dollars, même précisément 1,1 million de dollars aux enchères, ce pullover rouge. Alors, rouge pas, rouge unique. On connaît ce pull parce qu'il y a plein d'autres choses sur ce pullover. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ça, on dirait un pull de Noël, un peu comme ça, non? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce pullover? C'est pas des losanges. Des cœurs. Des losanges, des cœurs. Sapins. C'est vrai que des sapins, non. Des flocons. Des flocons, non. Mais c'est vrai qu'on l'a souvent vu avec ce pullover rouge. Ben non, des bonhommes de neige. Lady Diana. Des bonhommes de neige, non. Des taches de sang? Non. Il est drôle ce hasard. Depuis qu'il connaît Georgette Lemaire. Ah, mais c'est plus le même homme. Georgette l'a changé. Non. Mais c'est une décoration habituelle de pull ou c'est quelque chose vraiment exceptionnel? C'est un chacard. Ah, je dirais même que c'est une sorte d'hommage qu'un pull-over peut rendre. Des couronnes. Non. À quoi un pull-over peut-il rendre hommage? Des diamants. Au mouton. Elton John. Mais non, mais elle était très amie avec lui. Elle aurait pu avoir la tête d'Elton John. Écoutez ce que vous a dit, monsieur. Il y a des moutons dessus. Des moutons blancs et un mouton noir. Voilà. Il n'y a que plein de moutons blancs et un seul mouton noir. Ah bah c'était elle, le mouton noir. Pardon. Ah oui. Ils ont fait. C'était elle, le mouton noir. Oui, d'ailleurs, c'est Meghan Markle qui l'a racheté. 1,1 million de dollars. Le pullover pour Lady Diana. Elle nous manque, Lady Diana. On l'aimait bien, la princesse. Ah oui, moi, j'ai commandé un tableau, moi. Pardon ? Je me fais faire un tableau de. C'est le portrait de Lady Di pour mettre à ma maison. C'est pas vrai. J'ai un beau portrait, hein. C'est un artiste qui fait. À Angoulême, qui fait des choses très bien. Du coup, il avait fait la reine d'Angleterre, alors, mais je voulais pas acheter la reine pour mettre chez moi. Hein. Alors, mieux, Lady Diana. Oh, bah, pour moi, homosexuel, c'est un symbole, hein. Ah bon? Mais un symbole de quoi? C'est une icône gay quand même, les Didi. Ah bon? Oui, bah, ça, les femmes aussi. Tu ne confonds pas avec Mylène Farmer? C'est à mon avis, vous avez raison. Non. Vous avez raison, monsieur, j'y confonds avec Mylène Farmer. Je ne veux pas Mylène Farmer, mais les Didi, j'aimais bien. Ah, oui. T'es un peu la princesse qui a eu un destin brisé. Vous avez tous ces disques. Il les a récupérés sous le tunnel. Non mais je me retrouve en elle, elle a été bafouée par l'amour, tout ça, je me retrouve en elle. Oh, oui. T'es pas morte à 36 ans, Dieu merci. Oh, bah écoutez, ça fera plaisir à la famille royale, il y a le prince qui vient là bientôt, le roi maintenant, c'est vrai. Oui, c'est un roi maintenant. Ça, oh, tout augmente. Hein. Non, mais il a attendu suffisamment longtemps pour c'est mériter. C'est vrai, il est devenu roi. Vous allez être invité, Franck Ferrand? Non, je ne suis pas invité, je le saurais déjà si c'était le cas. Ah bon? Ah, il t'aime pas le roi? Oh, mais vous devez être déçu. Non, je ne suis pas dans les histoires royales. Ça doit être Berne qui vous a rayé. On toujours avec Stéphane. Stéphane, il vous a rayé des livres. Il a piqué la vedette. Ah, il a mis des bâtons Stéphane dans les roues. Il va être invité. Ah, oui. Moi, je devais être invité. Ah bon, comment? Pourquoi? Bah, parce que après ils ont dit non, elle ressemble trop à Camilla. J'aurais pu être invité parce qu'il me doit une invitation, en fait. Qui? Le roi? Le roi. Non, mais tu dis ça, toi, le roi me doit une invitation. Il y a de nombreuses années, il voulait visiter l'île Saint-Louis avec sa toute nouvelle épouse, donc l'actuelle reine consort, là. Et on m'avait demandé, l'ambassadeur d'Angleterre à l'époque m'avait demandé de lui faire visiter l'île de Saint-Louis. Donc j'ai passé une semaine à organiser tout ça avec les services, avec la préfecture. Vous imaginez pas ce que c'est, savoir s'il fallait enlever les voitures d'un côté ou d'autre de la rue. Bon bref, et le jour de la visite, j'avais mis mon petit costume, j'étais tout prêt, tout content. Et on me dit, j'ai eu un coup de fil de l'ambassade pour me dire, finalement le président de la République a eu besoin du prince Charles et donc il n'y aura pas de visite. Oh bah. Je pense que ça aurait été la moindre des choses en retour de m'inviter. Mais on va leur faire savoir. Appelle l'ambassadeur britannique. Ah bah, tout c'est inadmissible. Quand même d'être demandé comme ça. Bah, d'être demandé, mais d'être planté aussi, hein, faut dire les choses. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, c'est le risque. Hein. Bon, écoute, si un prince peut pas changer d'avis, c'est son seul boulot pendant 70 ans. Oh, j'ai vu un beau film sur Amazon Prime avec une histoire de prince. Un prince. Oui, ils sont très beaux. Et le fils de la présidente américaine. Comment ça s'appelle? Oh, une histoire, ça m'a fait rêver. C'est porno. Non. C'est le fils du président. De la présidente des États-Unis qui tombe amoureux du prince Henri, qui s'appelle dans le film. Alors, voilà. Deux hommes? Oui.
porté à l'écran une histoire, un conte de fées pour fêter. Non mais quelle époque, hein. Ah oui. Oui, y a... Et, comme dirait Léa Salamé, quelle époque. Et dans Le Point, on nous rappelle, quand même, j'avais oublié cet événement. Événement, le mot est peut-être un peu fort. Ce fait divers incroyable, puisque cette dame, cycliste de 45 ans, qui faisait donc du vélo, est morte avec trois côtes cassées et ses implants mammaires ont explosé. Mais comment ? Voilà la question. Bah parce que les côtes, tu sont rentrées dans les nichons. Dans une descente. Non, oui, dans non une à descente. Mon avis, elle est tombée sur le ventre. Les seins sont rentrés dans le torse et donc ouais. Du coup la pression a poussé les côtes. La côte a piqué la prothèse mammaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bien ce que je dis. Non, je pense qu'elle est rentrée dans le mur volontairement pour voir si les airbags fonctionnaient. Non, c'est plus incroyable que ça. Non, elle allait trop vite en descente et les seins sont partis derrière. Non. ils sont pris dans les rayons de la roue. Ouais. Non, elle fait du vélo, hein. Elle est en randonnée, elle fait du vélo. Bon, alors, c'est une petite dame, hein. Elle mesure 1m63. C'est important. Elle a 45 ans, elle est là, elle fait du vélo, elle fait de la randonnée, paf ! Là, il se passe quelque chose. Elle est piquée par un animal qui a un dard, et ça fait péter les seins. Alors, non, elle n'est pas piquée par un animal, mais... Mordue. Mais on se rapproche. Ah, c'est un gosse qui lui a... Un gosse avec une épingle. Non, c'est assez étonnant. C'est assez rare pour qu'évidemment, on ait retenu l'information. Une épingle de pain. Non. Elle a reçu une flèche. Elle est tombée sur un hérisson. Non, alors... Est-ce que sur la route, il y avait quelque chose qui fait que ça a sauté ? Sur la route, il n'y avait rien. Elle fait du vélo. J'étais sur le vélo. Elle ne pouvait pas voir l'animal en question. Elle fait du vélo. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un oiseau qui lui est rentré dans les nichons. Un hérisson, un sanglier, non. Un cerf. C'est plus incroyable que ça encore. Un éléphant. Non. Un pic vert. Ça se passait où, Laurent ? Alors, elle fait du vélo. Ça se passe... Si je vous dis le pays, vous allez tout de suite deviner. Ah. Voilà pourquoi j'ai... Un kangourou ! Bonne réponse de Valérie Mérès. Et alors, il lui a donné un coup. Elle fait du vélo, cette dame. Elle fait du vélo. Je fais bien la dame qui fait du vélo. En Australie. En Australie. Et là, il y a un kangourou. Faites le kangourou, là. Sautez sur la gueule. qui traversait la route en sautillant. Il ne traversait pas. Il lui a rebondi dessus, tout simplement. Elle ne l'a pas vu arriver. Il lui a rebondi dessus, le kangourou. Paf. Et là, pouf. Est-ce qu'elle est morte avant que les prothèses mammaires explosent ou après ? Ah, c'est l'explosion. Vous vous rendez compte, la poche du kangourou, les seins qui explosent. Oh là là. Le vélo. C'est incroyable. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Non, quand c'est écrit, c'est écrit. Ah ouais. non, mais c'est vrai. Là, excusez-moi. Vous avez lu ça dans Téléphone. J'aime bien cette phrase de Valérie Mérès. Quand c'est écrit, c'est écrit. C'est sûr. Ça, c'était écrit. Adieu, il a dit. Toi, tu vas mourir en bicyclette. Sur une route d'Australie. Avec un kangourou qui va tomber sur les nichons. C'est improbable. Ouais. Donc, faites attention, je vous le dis à Valérie, vous et vous, Caroline, car vous êtes plutôt bien pourvues. Oui, mais c'est les nôtres. C'est pas des poches, hein. C'est des vrais. Hein. Il n'y a pas de raison que ça explose. Entièrement d'origine. C'est des vrais. Elle n'a rien refait. Ah, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je me tiens droite. C'est tout. Je vois beaucoup de bossus. Ah, c'est chouette. T'as rien fait. Ah, j'ai rien fait. Ça se voit. Ah. Ça, c'est facile. Non, mais c'est une belle anecdote qui méritait d'en être. Ah oui, puis ça finit bien. Qui méritait d'être. Et puis la famille va être heureuse qu'on ait salué la mémoire de cette dame. Je ne suis pas sûr qu'elle soit morte, d'ailleurs, pour tout vous dire. Ah bah si. Oh non. Et le kangourou, on sait comment il va. Vous prenez un kangourou dans les nibars, vous mourrez. Ah oui, ah oui. Même si Dieu la prothèse. C'est joli. Une question pour Anne-Antonios qui habite la Garenne-Colombes. Tout à l'heure, monsieur Kersauzon, nous a... Ils sont deux. Annoncé, oui, ils sont deux. Il y en a un qui prend l'argent, l'autre qui parle pas. Ça, c'est bon. –
Mais je les connais. C'est bien fait, prends ça la goélette. La goélette. La question donc concerne Martine, puisque monsieur de Kersauzon nous a annoncé le nouvel album, on voit la publicité dans tous les journaux aujourd'hui, 61e album de Martine, Martine au Louvre. C'est la première fois qu'elle va au musée du Louvre, la petite Martine. Bon, elle n'emmène pas son chien, Patapouf, hein, et son, je ne sais plus comment il s'appelle, son chat, mais enfin, et à toute la famille. Ma question va être toute bête, hein, c'est une question qui retombe régulièrement aux grosses têtes, c'est assez facile. Je ne pense pas que Madame Antonios va toucher un chèque RTL avec ça, mais sait-on jamais. Martine, pour son premier album, elle était où ? À l'école. À la plage. À l'école, non. À la en plage. Bretagne. À la plage, non. À la campagne. À la campagne. À la ferme. À la ferme. Ah. Bonne réponse de Gérard Jugnot. À la ferme. Ah, bravo. Vous avez entendu ce qu'a dit l'horrible Kersauzon ? Il a dit au... Non, j'ai dit avec maman. Ah bon, alors ça va. Martine, mais ils ont fait plein de Martine détournées. Ah bah oui, il y a eu des tas de Martine rigolotes, évidemment. Martine en grosse tête, incroyable. Martine, non mais les vraies Martine, c'est marrant. Martine à la ferme, c'est le premier. En voyage, c'est le deuxième. Ensuite, elle va à la mer. Il y en a 80 ? 61. Oh, 60, oui. Martine fait du ski ? Oh, sûrement, attendez. À la montagne. Martine à la montagne, c'est le neuvième. Le 69e, c'est Martine Sus. Martine fait la cuisine. Ça, c'est le 25e. Martine commande un Uber. Alors, non, parce que Martine fait de la bicyclette. Ah, bah oui, c'est vrai. Martine, Martine vote Anne Hidalgo. Ah, bah Martine Aubry, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oh, c'est pas sûr. Si, c'est sûr. Est-ce qu'elle va dans l'espace ? Martine, non. Martine ne va pas dans l'espace. Il n'y a pas Martine écolo ? Martine écolo, non. Vous avez Martine à la maison, Martine au zoo, Martine qui fait ses courses. Martine à la maison, ça, c'est Martine bien. Monte à cheval. Eh oui, Martine au backroom. Ah non, c'est Martin, pardon. Martine est le cadeau d'anniversaire. Martine a une étrange voisine. Ah oui, ça, c'est Martine lesbienne. Martine est marmiton, ça c'est mignon. Martine babysitter, là, elle commence à vouloir gagner un peu d'argent. Vous voyez. Martine babysitter. Martine chez les talibans, incroyable. Martine apprend... Alors ça, c'est assez curieux parce qu'ils ont attendu le 26e album pour lui faire apprendre... Enfin, Martine apprend à nager dans le 26e album. Parce qu'elle allait à la mer avant, c'est pas gentil, ça. Oui, c'est ça qui est pas... C'est dangereux. Elle va à la mer dans le 3e album et elle apprend à nager dans le 25e. Ouais. Les parents ont voulu la noyer. Martine traverse la Manche avec les migrants. Non, Martine fait de la voile dans le 30e album seulement, monsieur Jugnot. Elle fait de la vapeur dans quel album ? Alors, elle va en Mongolie. Dans le 34e album, dans le 36e, Martine a perdu son chien. Mais elle l'a retrouvé dans le 37e ? J'imagine. Mais quel âge elle a, Martine ? Ah ben, elle a pas d'âge, c'est ça qui est génial. Martine a toujours perdu son chien, mais sa chatte va bien. Elle a toujours le même âge. C'est toujours le même auteur qui l'écrit, non ? Ouais, ouais. Son chat s'appelle Moustache, chien qui avait disparu s'appelait Patapouf. Oh. Mais elle l'a retrouvé, Patapouf. Non, Martine, c'est Patapouf, c'est la mienne. Martine fait un test PCR, c'est prévu ? Je sais pas. Non, mais vous avez le 11e album. Martine est vaccinée ? Que monsieur de Kersauzon a évidemment encadré chez lui. Martine en bateau, évidemment. Oui. Qui a sûrement donné envie à Olivier de devenir le grand marin, car je crois qu'il a appris à naviguer avec Martine. Il a beaucoup lu Martine, ça se voit. D'ailleurs, on l'appelait Martine quand toi, il était. Chez toi, Martine te pète la gueule aussi. Hein, quand tu parles mal à un demi-dieu de l'océan. Il a d'une modestie. Pourquoi un demi-dieu ? Voilà, j'ai dit demi-dieu modeste. Pour me rapprocher de vous. Sauve-toi, Gérard, sauve-toi. Gérard s'est levé, vous imaginez. Ah, vous avez aussi ça, j'avais pas vu ce Martine-là. Martine en classe de découverte. C'est quoi les classes de découverte ? Il y a le palais de la découverte. C'est les classes de campagne, de nature. Non, les classes vertes. Oui. Oh là là, dans le 27e album, Martine est malade. Oh la pauvre. Oh là là. Il y a pas Martine elle avait quoi ? Je sais pas ce qu'elle avait, faut qu'on achète l'album. C'est pas juste avant Martine et Andrea ? Non. Ah, et vous avez Martha, ça j'avais pas vu non plus, le 44e album, Martine et le chaton vagabond. Ah. Et est-ce que c'est féministe, Martine ? Ah bah oui, c'est féministe, Martine. C'est une belle image des femmes, oui. Ah bah oui, bien sûr. Vous avez lu Martine, Ariel ? Mais ça n'arrivait pas au Mexique, donc je n'ai pas lu. C'est des livres de l'enfance, tout de même. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais il veut péter la gueule encore. Il m'a fait très très mal, j'ai un bleu énorme. C'est pas vrai. Mais oui ! Imagine. Travaille. Aïe, 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 même passé. Ah mais Chantal aussi. Ah, sécurité, sécurité, vite.
Bon, ben, on va appeler Martine infirmière. Vous les connaissez évidemment, puisque avant on appelait ça le tournoi des 5 nations, mais depuis 2000, l'Italie évidemment est venue faire numéro 6. Eh oui, est venue faire le numéro 6, comme vous dites si bien, cher Pierre Bénichoux. Vous connaissez évidemment l'emblème de l'Angleterre qui est la rose, l'emblème de l'Écosse qui est le chardon, celui de la France qui est notre coq gaulois, le poireau pour le pays de Galles, le trèfle pour l'Irlande. Mais quel est l'Italie. L'emblème de l'Italie ? Le ravioli. Ah. Le ravioli, non. Non. Le campanile ? C'est quoi ça, le campanile ? Bah, place Saint-Marc, vous êtes à... Est-ce que c'est un truc qui se mange ? Pourquoi ils auraient le campanile comme... Bah, je cherche un truc où les Italiens pourraient se réunir. Un monument. Non, c'est pas un monument. Ah non, je sais ce que ça peut être. Ça peut être l'olivier, le brin d'olivier. Le brin d'olivier, non, mais on n'est pas sûr. Ah, un rameau. Un rameau, non, mais on est tout près. Ah, du thym, du laurier. Du laurier, la couronne de laurier. Bonne réponse de Stevie. Vous en avez dans votre jardin du laurier, ouais, monsieur, monsieur ouais, Semoun, j'étais sûr. C'est un beau laurier. Un laurier sauce ou pas ? C'est un laurier, un laurier sauce. Mais c'est comme où ça est-ce que ma mère... vous voulez m'emmener, vous ? Mais non, mais c'est comme ça que ma mère, elle oui, disait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un laurier rose aussi. Oui, moi, j'ai un laurier en plume, mais... C'est quoi, mais... un laurier en plume ? Un laurier ! Ah, un oreiller en plume. Oh, oh là là, oh là là, Miss Calembour. J'en fais jamais, mais je sais à mon avis, au patinage, t'aurais mieux fait de tomber sur la tête. Un laurier en plume. Mais jamais vous faites de jeux de mots d'habitude. Jamais. C'est le premier en 14 ans. Excusez-moi. Je et on était là. On était là. On était là. Il bah, faut dire qu'elle a un duvet qui lui pousse. Hein. Non. Positif. Je recommencerai plus, je le jure, je le jure. En tout cas, les couronnes des empereurs, c'est toujours du laurier. Exactement, ouais. Voilà pourquoi les Italiens, évidemment, voilà. ont choisi comme emblème la couronne de laurier, telle la couronne de César, César. Par exemple. Ah, c'est de là que je connais, bien sûr. Mais hélas, la couronne du Christ était d'épines. Une couronne d'épines. Eh oui. Mais non, il n'y a pas de rapport, mais elle parle. RTL, quand elle a signé son contrat, on lui a dit, bon, on vous engage. On ne sait pas ce que vous allez dire, mais parlez. Alors elle le fait. Le laurier ne pousse pas partout. Donc c'est voilà. Bah, si. Non, est-ce enfin, que nous, tu... dans nos jardins, on en a. Est-ce que tu crois qu'il y en a en Chine, par exemple ? Oh oui. Oh, ah, mais le laurier, c'est terrible. Enfin, je sais pas si toi, t'as des problèmes aussi, mais ça pousse de partout. Attention, mesdames et messieurs, une conférence de jardiniers entre Stevie Boulet et Elie Semoun. Allez-y, Stevie. Non, mais c'est un vrai enfer. Le laurier, c'est un peu comme le bambou. Toi, c'est comme le compost. Alors, comment ça se passe ? C'est pas le compost. Moi, ça va, mon compost. C'est comme le bambou. Mais vous voulez pas en parler parce que moi, j'ai dit ça au marchand de laurier. Je dis, il ne vaut rien, tu vois. Il m'a dit, vous l'auriez dans le... Oh. Mais j'ai honte. Oui, franchement. Je vais revoir. Moi, je ne peux pas, dire que j'ai honte. Parce qu'en venant ici, j'ai craché sur la honte. Non, je ne vous aime pas. Il a quand même... Je ne vous aime pas au camp de... Ah, si. Laurent Ruquier, j'aime bien. Oui. Parce que lui, il est puissant, il peut te mettre où il veut. Ça, je vous le confirme. Une question pour Maria Isabelle Donosti, qui habite Courbevoie. En 1934, un roi de l'assurance qui s'appelait Sir Edward Montaigne a embauché 20 chômeurs. Mais pour quelle raison ? Pour monter une entreprise ? Non, en lui, France ? Pour faire le ménage. Lui, il avait déjà fait fortune dans les assurances, Sir Edward Montaigne. Et là, en 1934, il se dit, bon, bah alors, je vais embaucher 20 chômeurs, mais pour quelle raison ? En Angleterre, ça se passe ? Non, pas en Angleterre. Aux États-Unis ? Aux États-Unis, non. Alors, je suis obligé de vous dire, mais dire en Angleterre, donc en Angleterre. En Écosse, en Irlande, en Écosse. En Écosse, ah, oui. En Écosse. C'est l'assurance. On dit que ça porte malheur de passer sous une échelle. Oui. Sauf si un Écossais en kilt se trouve dessus. Ça peut faire marrer certains. Donc il a ouais, on est en 34, on est en Écosse. Il y a une crise ? Non, il y a pas une crise. La crise de 34, si, en Écosse. Et ce roi de l'assurance se dit, tiens, bah, pour ça, je vais embaucher 20 chômeurs. D'ailleurs, il les équipe, hein, ces chômeurs. Il leur offre... Ah, faut retrouver Xavier Dupont de Liponnet. Eh ben, on n'est pas si loin. Ah, pour retrouver le monstre du Loch Ness. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ligonnès, Loch Ness.
C'est du pont de Loch Ness en quelque sorte. Mais j'ai pas compris pourquoi il fallait des chômeurs, pourquoi ils ont pas pris des gens spécialisés en monstres de Loch Ness. Non mais parce que ça n'existait pas des gens spécialisés. Non mais et bien des gens occupés, ils étaient occupés. Ils avaient du travail, ils étaient occupés ailleurs. Oh, madame 36-15, je pense plus vite que tout le monde. Stop. Il fallait bien qu'il soit chômeur. Mais tais-toi avec cette voix impossible. On est deux. T'as une voix inaudible. On est deux. On est deux. C'est la guerre des crécelles. Moi, au milieu, j'ai une voix d'homme, je m'en sors très bien. Ben oui. Il a pris des chômeurs parce qu'il fallait des gens qui aient du temps pour rester au bord du lac 24 heures sur 24 avec des jumelles et des appareils photo. Il les a équipés de jumelles et d'appareils photo. Il les a payés ? Pardon ? Il les a payés ? Ah bah oui, bien sûr qu'il les a payés quand même. Et c'était, bon, ils n'ont rien vu hein, finalement. Hein. Aucune photographie, ils n'ont jamais vu le monstre du Loch Ness. Mais c'est dans les années 30 que le monstre est apparu pour la première fois. Nessie, hein, on l'a appelé Nessie tout de suite. Il y a une seule photo de lui d'ailleurs. On voit cette espèce de corps et de cou qui sort. En tout cas, le monstre du Loch Ness. Vous y croyez-vous, monsieur Gueluc? Attendez, il est de 1934. Oui. Aujourd'hui, ça doit être le fils du monstre du Loch Ness qui a repris l'affaire. Parce à ce qui paraîtrait, c'est que ce serait... La scientifique Isabelle Mergo vous parle. Non, à ce qui paraît que ce serait une grosse anguille. Non, mais c'est vrai. Non, mais y a... Un truc énorme. Elle vous a dit ça aussi la première fois. Oui, du Léry. Une question pour Cyrielle Jamy, qui habite Saint-Georges-sur-Layon, c'est en Maine-et-Loire. Qui a prononcé cette fameuse phrase de 9 mots pile « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles ». Marie-Antoinette. Pas de réponse de Paul Elkarat. Alors Ariel. Oh là là. Ariel, c'est maintenant qu'il fallait dire Marie-Antoinette. Mais oui, mais elle alors... essaie de nous placer Marie-Antoinette depuis le début de cette émission. Et quand il faut dire Marie-Antoinette, elle ne le dit pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous expliquez cette phrase, monsieur Paul Elkarat. Ah bah, c'est le début de la Révolution, quand les insurgés viennent à Versailles pour obtenir des faveurs de la part du roi. Enfin, on peut dire que c'est des consensus. Ils viennent au bas du balcon réclamer au roi des mesures. C'est pas ça du tout. Ah bon ? Non, non. Mais alors, pas du tout. Le jour de son exécution. Non, c'est pas le jour de son exécution. Non plus. Non, c'est le jour où elle dit, eh bien, s'il n'y a pas de pain, donnez-leur de la brioche. Non plus. C'est non son plus. Mariage. Je l'ai revue, cette phrase, et son j'ai mariage. Vérifié ah depuis. Bon non, parce que ce week-end, j'ai regardé, je n'avais pas vu le film à sa sortie. Excellent film, quel... d'ailleurs. Ah j'ai oui, adoré ça. Coppola. Le film, non, de Maïwenn. Ah oui. Jeanne Dubarry. Et Jeanne Dubarry, qui est la favorite de Louis XV, au moment où Marie-Antoinette est déjà à la cour parce qu'elle est venue pour qu'on la marie avec le futur Louis XVI, mais c'est encore Louis XV qui est sur le trône, si j'ose dire. Oui. Mais sauf que la favorite, la Dubarry, elle n'est pas aimée par la cour parce que c'est une ex-prostituée, voyez-vous. Oui. Et tant que Marie-Antoinette, la future femme du dauphin, ne lui adresse pas la parole, elle ne sera pas respectée. Et elle fait exprès, Marie-Antoinette la déteste, parce que les filles de Louis XV, les filles du mariage précédent, lui disent « Ne lui parle pas, ne lui parle pas, on se croirait dans Cendrillon, vous voyez. » et à un moment donné, enfin, et il parle. Enfin, Marie-Antoinette daigne parler à la comtesse Jeanne Dubarry. Et elle lui dit quoi ? Et elle lui dit, il est bon ton pâté ? Ça, il y a du monde. Elle lui dit, c'est la seule phrase qu'elle lui dit, il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles et ça suffit à rendre heureuse Jeanne Dubarry. Voilà, la doubée. Ah, vous saviez pas ça, hein ? J'ai confondu les deux événements. C'est un très beau film, hein, franchement. Ah bon ? Ah, j'ai adoré Johnny, ça. Il est bien Johnny Depp ? Pardon ? Il est bien Johnny Depp dedans ? Oh, bah, il fait un Louis XV un peu vieillissant et il est pas mal. Ouais, ouais, il y a deux jumeaux dans le film. Il y a des jumeaux dans le film qui jouent. Oui, c'est vrai, il y a des jumeaux. Enfin, ils ont vraiment... Bah, c'est des copains à moi. C'est des copains. Ah, ils sont texans ? C'est rare de trouver trois jumeaux. Des trumeaux. Ben, y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Alors, dans ce film, on voit aussi d'ailleurs, et ça c'est intéressant parce que ça donnera une occasion à notre camarade Paul Elkarat de se rattraper. Moi j'ignorais aussi, et on le voit dans le film, la présence de ce jeune garçon qui vient manifestement d'Afrique, qui vient... Je crois pas qu'il vienne d'Afrique, je pense qu'il vient d'Inde. Vous avez raison d'ailleurs. C'est Zamor. Pardon ? Zamor. Bravo ! Marie-Antoinette !
C'est pas un jeune africain, c'est un jeune indien qui est au service de la Dubarry. Je vais même vous dire, il est bengalais. Précisément. Il est bengalais. Oui, bah, indien, oui, il est bengalais. Il est bengalo même. Il est arrivé à la cour de Louis XV et on l'a mis au service très rapproché de la Dubarry. Et c'est lui d'ailleurs qui va contribuer à l'exécution de la Dubarry en la trahissant durant la Révolution. Excellente réponse de Paul Alcarat. Oui. Ce cher Zamor. C'est un pêcheur qui zozote. Zamor. Mais non, mais ce qui est terrible, c'est que manifestement, il est recueilli par la reine, le petit Zamor, mais il va lui en vouloir beaucoup. Bon, il faut dire qu'il a dû... La reine, la favorite. C'est pour ça qu'on dit mise à mort. Il a dû subir, oui, la favorite, pas la reine, vous avez raison. Voilà. Qu'est-ce que vous dites ? C'est pour ça qu'on dit mise à mort. Ah bah peut-être. Mais en tout cas, ce pauvre garçon, effectivement, qui est une sorte d'esclave au départ, mais esclave que va chouchouter la comtesse du Barry. Bon, manifestement, il en aura un mauvais souvenir parce que c'est lui qui va la dénoncer au comité de salut public. Exactement. Ça, j'ignorais aussi. Moi, je pensais, bon, Marie-Antoinette, la femme du roi, guillotinée, j'allais dire, bon, logique. Qu'ils aillent guillotiner aussi, ça, je ne savais pas qu'elle avait été guillotinée aussi. Elle a été enlevée de son château de Louveciennes pour être traitée devant le tribunal révolutionnaire. Ils sont allés la dernière courtisane de Louis XV. Bah, donc, ils pouvaient remonter jusqu'à quand, comme ça Jusqu'au ministre de Louis XV. Jusqu'à Louis XI. Oh là là. Pas les herbes. Faudrait que je fasse attention, moi. Ah, quand ça coupait, hein. Oh là là. Ah bah, ils ont exécuté de vieilles personnes aussi. Et donc, elle a été décapitée, la pauvre Dubarry, à cause du petit Zamor qui l'a dénoncé au comité de salut public. Mmh. Bon, ben voilà, c'est une triste... Ça, on ne le voit pas dans le film. C'est sympa. Et ils ont su maintenir l'entreprise à flot, Dubarry. Ils font du foie gras encore. Ouais. Et maintenant, pour lui, maintenant, c'est plus la guillotine, c'est l'ouvre-boîte. Hein. M'étonne. En tout cas, Marie-Antoinette avait 37 ans lors de son exécution le 16 octobre. Ah, ça y est. 1793. Alors, écoutez, ma chère Ariel, elle avait 37 ans. Maintenant, ça y est, on s'en est débarrassé. Hein. Si on pouvait ne plus parler de Marie-Antoinette jusqu'à 18h. Jusqu'à l'année prochaine, au moins. Jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi vous avez ce culte pour Marie-Antoinette? Non, parce que c'est le jour, en fait. Ben oui, c'est le 16 octobre, C'est-à-dire que vous avez bossé, vous avez révisé, et vous vouliez pas avoir travaillé pour rien, c'est mais ça? Mais non. Et tu veux dire que moi, je suis rentré à RTL le jour de la mort de Marie-Antoinette? Ouais, c'est ça. Mais maintenant, on s'en souviendra. Ouais. C'est peut-être ta réincarnation. Non, mais c'est parce que c'est un chiffre rond aussi, 230 ans pile. Quoi. En tout cas, le petit Zamor était effectivement un garçon qui a été capturé à l'âge de 11 ans par des esclavagistes anglais et qui a été offert à Madame Dubarry comme étant son page. Les Anglais avaient la main mise sur le Raj, donc l'Inde britannique. Bah oui, du coup, ils pouvaient envoyer des futurs esclaves de par... Pardon, je ne vous écoutais pas, Paul, parce que je voyais Ariel faire des grands signes. Mais oui. Voilà, mais je voulais une petite tasse de thé, mais le... Non, mais non. C'est vraiment intéressant que je dise un truc et qu'elle réclame du thé, quoi. C'est... Est-ce que le page d'Ariel Dombal peut lui apporter son thé? Donc, il y a un sujet, on va pas le lâcher quand même. Arrêtez Laurent maintenant. C'est vos vendanges, on veut en savoir plus sur vos vendanges. C'est pour bientôt d'ailleurs les vendanges là, non ? Bah oui, on va les faire le premier week-end d'octobre. Premier week-end d'octobre. Ouais. Alors il y a une grosse cuve et vous marchez dedans. Elle écrase le raisin. À moitié nu. Non, Valérie Mérès ne sera pas invitée. Non, Ariel, ça s'appelle un pressoir. On a le pressoir à l'ancienne, on met le raisin dedans, on le foule au pied. Oui. Pied nu. Les garçons rentrent avec des bottes. Et les bottes montent jusqu'où? Non. Toujours la mode. On remplit pas la cuve jusqu'en haut. Enfin, ça se fait au fur et à mesure. Et le liquide s'écoule en même temps. Hein. Mais et on peut venir, on est invité au vendange. Si vous voulez, oui, mais j'aurais pas assez de chambre pour tout le monde. Oh, ça, on se débrouille ici, vous savez. Une toile de tente. Viendrai avec l'âge de compte et une copine. Alors, vous savez que le rosé, contrairement à ce que beaucoup pensent, on pense qu'on met un peu de vin blanc dans le rouge pour faire du rosé. Non. Oui. Le rosé, on le presse le jour même, le jour des vendanges. Comme ça, le raisin n'a pas le temps de macérer dans la peau qui donne sa couleur au vin rouge. Si vous le pressez le soir même, il sera juste rosé. Il aura pris un petit peu de la couleur de la peau du raisin. Ah oui, oui. Et pour faire du rouge, vous le laissez une semaine ou deux macérer dans la peau. Du coup, le liquide qui sort est rouge. Voilà, donc le rosé, est-ce que vous avez compris? Oui, le rosé, c'est du rouge. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites? Le rosé, c'est du rouge qu'on n'a pas laissé rougir. Qu'on n'a pas laissé rougir. Bravo, Laurent. Voilà. C'est exactement ça. Et les petites peaux, elles vont où?
Oh, bon, les pâtes. On les jette. Non, maintenant, on fait des produits de beauté avec du... Oui, avec de la vinothérapie. Vu le reste de pesticides sur les pots de raisin, je suis pas sûr que... Ici, pesticides. Ici, on a surtout des vieilles peaux. Pardon. Oh, Johan. Alors, vous m'avez tendu une perche. Vous m'avez tendu une perche. Regardez la fraîcheur. Alors, vraiment, s'il y a quelqu'un sur qui l'âge n'a pas de prise, c'est bien Julie Leclerc. On a l'impression qu'elle débute à la radio. Ben oui, c'est le cas, ici à RTL. Elle a gardé cette maladresse. Non, mais c'est vrai. Non, mais donc, on va venir pour les vendanges. Hein. Vous voulez avec moi, Ariel? Mais oui, moi, je trouve piétiner, ça... Non, mais attendez, hein. Ariel, pas dans cette tenue. Hein. Ça sera pas possible. Bon, ben non. Mais non, mais je veux bien marcher dans la cuve, moi, ça m'amuse. T'en as envie, quoi. Mais oui. Ah, le pinard va sentir le patchouli. Je suis sûr que oui. Rosé au patchouli de chez Ariel. Peut-être qu'elle va aimer Valérie Mérez, du coup. Tiens. Ah, bah non, mais franchement, on y va aux vendanges. Hein. Ah, bah grâce. Oui, non, pas vous, Riou, pas vous. Lui va faire un trou dans la cuve. Non, il va boucher la cuve. Non, non, mais il faut travailler. Hein. On fait à l'ancienne avec les ciseaux. On est à ah, c'est pas des machines. Ah, ça, c'est tu bien. Tu plaisantes chez les Leclerc, des machines. Non. Oh, mais alors, et nous, ça, on le cassette quand elles sont pleines et on vide. Voilà. Quand Gérard passe dans le rang, on vide tout ce qu'on a ramassé. Vous comme elle est amoureuse, comme elle dit Gérard. Oui, on s'en est plein d'amour. Depuis 1981, c'est quand même dingue, c'est beau. Comment vous connaissez leur date de mariage? Je te dis, il a fait la couche. Pourquoi vous connaissez la date? De notre et bah, c'est beau, c'est une année symbolique et tout. Donc et comment beau. Vous savez qu'ils se sont mariés en 80? Oui. Mais parce que je veux, bah, quand il y a une nouvelle recrue, bah, je m'intéresse. Voilà. C'est pour ça mieux. Va jusqu'à, ça va jusqu'à l'année de mariage. Et puis elle a des jumeaux. Non, mais comme j'ai une sœur jumelle, et bah, c'est magnifique. Elle a des jumeaux. Ah, oh, vous avez une sœur jumelle? Et puis elle a un troisième. J'aimerais la connaître. Elle vous ressemble pas, j'espère. Non, non, elle a plus de barbe. Oh. Est-ce qu'elle est célibataire aussi? Non, elle est mariée, tout bien. Non, la prochaine question. Qui a dit en 1900? Donc Julie, je vous adore et tout. Donc vous avez aussi la date de mariage d'Anne Roumanoff. Mais j'ai suivi son histoire et tout, c'est très très beau. Ça, vous avez eu un Pygmalion comme Lynn Renault, comme Annie Cordy. Non mais c'est vrai. Vous devez tout à cette homme. Première fois qu'on compare Philippe Vaillant à Lynn Gazeté. Mais non, mais... Vous commencez votre carrière et là il y a cet homme extraordinaire Philippe Vaillant qui vous accueille, qui vous fait confiance. Qu'est-ce qu'il a travaillé? Et là, vous serez à Bobino, ça qui est magnifique, le 28 septembre, 29 septembre, 30 septembre, 1er octobre, 3 octobre. Et j'y serai d'ailleurs. Fait la promo aussi. Il fait la promo. Non, et, le titre, c'est « Tout va presque bien ». Avec un point d'exclamation. On y va, Laurent, et tout. On va s'amuser et tout. Ah bah, on peut pas tout faire. Allez aux vendanges de l'autre, là-bas. Mais ça va être génial. Et c'est pas cher du tout, les prix, en plus. C'est, franchement, c'est agréable. Eh bien, alors, c'est vrai, vous avez des nouveaux sketchs ou pas? C'est vrai? Ou c'est un mais petit peu... Mais quel... Mais c'est pas... Mais attends, mais... Hey, mais prends un Xanax, hein. J'en ai pris pendant 20 ans. Ah, vous avez arrêté? J'ai arrêté, j'aurais pas dû... Il faut peut-être reprendre. Eh ben, passe au CBD, ça va te calmer. Ah, ça va. Et vous êtes stressé un petit peu, ça va être beau, ouais. Ouais. À chaque fois, vous vous remettez en jeu, c'est beau. Ouais. Hey, tu veux que je te dise, t'as des questions intéressantes. Hein. Non, tu dois avoir ta carte de presse. Hein. Aïe, 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 aïe. Quel blé, ce mec. Oh, ne vous nommez personne. Non. Soyez un peu aimable. Moi, j'aime beaucoup. J'aime tout le monde ici, sauf vous. Alors qu'on a passé des moments merveilleux chez Laurent et tout, à la table à manger. C'est vrai, la on table parle. À manger. À la table à manger. Chez Laurent, normalement. Oui, parce que j'ai une table à coucher. J'ai une collection de tables. J'ai une table d'accouchement, une table à langer, une table de gynécologie, une table de multiplication. Franchement. À côté du piano, vous lisiez Libération et on a parlé de la vie pendant une heure. C'est vrai, c'était magnifique. Je me souviens de tout. Il y avait votre femme qui était là. Et ah non, mais je l'invite plus, moi. C'est fini. D'ailleurs, cet été, je ne l'ai pas invité. Vous avez... si, il faut que je vous raconte un truc énormissime. Un jour. Mais faites-le très, mon Dieu. On est en plein. On est en plein. J'étais trop fier. On est en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc moi, je regarde les Jeux Olympiques. Et là, j'ai un numéro masqué. Donc moi, je ne réponds jamais au numéro masqué. Et là, j'ai un message extraordinaire de Laurent Ruquier. Non. Véridique, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Bonjour Johan, j'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai gardé le message. Vous êtes pas obligé de prendre une voix de... Mais
non, je parle pas comme ça, non. Bonjour Johan. Bonjour. J'espère que vous allez bien et tout. J'espère. Alors j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà. Ça t'a ému. Je venais prendre un petit peu de vos nouvelles. J'espère que vous passez de superbes vacances. J'espère que vous allez bien. Je fais le boulot quoi. Et donc là. Mais là c'était en plein pendant les Jeux Olympiques. Il y avait des médailles d'or françaises et compagnie. Et vous vous rendez compte, j'ai eu honte. Je n'ai rappelé Laurent que 2 à 3 semaines plus tard. Ça c'est vrai. Alors, et ma mère me dit mais Johan il va te faire virer. Il va te virer. Ah non c'est moi pas j'ai possible. Cru. J'étais heureux. J'ai cru que vous étiez mort. Et en fait j'ai su pourquoi. Parce qu'il allait rendre visite à Claude Sarotte qui habite à quelques kilomètres de chez moi. Et je pense peut-être que vous vouliez m'inviter à cette soirée avec Claude Sarotte. Ah non, pas du tout. Ah bah Claude Sarotte, tu dois la fatiguer. Et c'est Claude Sarotte et pas Sarotte. Ah oui c'est... Quoique. Une question pour Noémie Desmur, qui habite Caluire et Cuire, c'est dans le Rhône. Et la question concerne deux pages que vous avez peut-être lues dans VSD, deux pages qui rendent hommage aux verbicrucistes. Hein. Ce sont ceux qui composent les grilles de mots croisés pour les cruciverbistes qui, eux, les remplissent. Et là, ces deux pages dans VSD rendent hommage, évidemment, à Jacques Drillon, à Robert Sipion, à Max Favalelli, Georges Perec et d'autres, Tristan Bernard, qui ont fait les plus belles définitions de mots croisés. Je suis tombé sur une définition que je ne connaissez pas, et on va voir si les grosses têtes sont douées pour remplir les grilles de mots croisés. Vous êtes bonne en mots croisés, Marcella ? Non, à peine, que je barguine un peu les Français, vous imaginez que... Ah ouais. Oh, mais si vous allez y arriver, j'en suis sûr. Et en plus, il te manque une case. On va le trouver. Eh oui. Non, mais je vous donne une définition, oui. Le nombre de lettres, hein, c'est le principe évidemment des mots croisés. Oh, c'est en 6 lettres, oui. Et la définition, elle est toute bête, toute simple. Hein. 6 lettres, villa au Mexique. Hacienda. Hacienda. Hacienda, non. Pancho. Pancho, Pancho Villa, excellente voilà. Réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques, vous faites souvent des mots croisés, manifestement. Oui, j'aime bien ça, ça me lave la tête. Bon, bah alors je vais essayer une deuxième chance pour Noémie Desmur, qui habite toujours Caluire et Cuire, je vois pas pourquoi elle aurait déménagé depuis 30 secondes. Bah oui. Toujours en 6 lettres, point de vue, en 6 lettres. Image du monde ? Non. Aveugle. Cécité. Aveugle. Cécité. Cécité. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, il a l'esprit, hein. Ah, il a l'esprit mot croisé. Ouais, bah oui, point de vue. Bon, aveugle. Point aveugle, de... c'était pas loin. Oui, non plus. C'est en 7 lettres. Oui, mais aveugle, ça fait pas 6 lettres, Pierre Bénichou. Ah bon ou alors tu retiens le L. Ça dépend des quartiers. Aveugle. 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 Pour Jean-Philippe, pour moi, c'est 6 lettres, un aveugle. J'en ai une pour vous, monsieur Titoff. Là, vous devriez la trouver facilement. Plat permettant de facturer la rouille au prix du fer forgé. Bouillabaisse. Bravo. J'en ai une pour vous. Tempête intérieure en 10 lettres. Tempête antérieure. Intérieure, intérieure, en dedans. Allez-y. Aérophagie. Ça marche toujours. Ah, attendez, j'en ai une pour vous. Alors, à ce moment-là, c'est sodomie en 3 lettres. Aïe. Est-ce que vous connaissez Duc de Rouge? Tube de Rouge, oui, c'est international. Ouais, c'est bien, depuis qu'on a 2,5 millions d'auditeurs, on fait les mots croisés. Attends, comment maintenant le sudoku ouais. En 10 lettres, pas voilà. Facile là. Je ne connais pas de mots, moi. En 10 lettres, Manuel du crime. Étrangleur. Étrangleur, excellente réponse de monsieur Bénichou. En 6 lettres, c'est pour vous ça, Marcella Yacoub. Gitane allumée. Clope. Carmen. Carmen, bravo Perroni. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. J'en trouve pas pour vous coller, hein. Peut-être ça. 11 lettres, vous en voulez une en 11 lettres? Oui, 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 oui. Allez, allez, la dernière, en 11 lettres, du vieux avec du neuf. Bénichou. Pas loin, pas loin. Bénédiction. Nonagénaire. Nonagénaire, bonne réponse. Peut-être que vous ne connaissez pas Saturnin Farandoul. Pourquoi vous riez? J'adore ce nom. Il y a des noms qui font rire. Mais comme vous allez savoir, Saturnin Farandoul est pourtant une sorte de pionnier.
puisque Saturnin Farandoule, dont on a pu voir les aventures à l'écran en 1913, est l'ancêtre de 33 ans avant. Hein, l'ancêtre de qui ? Saturnin Farandoule. Ah, de Calimero ? Calimero, non. Saturnin le canard ? C'est Saturnin le canard ? Ah, ce n'est pas le canard, non. En 1913, il a fait ses débuts ? Effectivement, c'est Marcel Fabre, un réalisateur, qui a tourné les aventures de Saturnin Farandoule à l'écran en 1913. Alors, sais ce que c'est. C'est l'ancêtre de Robin des Bois. Robin des Bois, non. C'était une forme de Robin des Bois en Provence, Saturnin. Non, pas Robin des Bois. C'est quelqu'un de La Fronde, Thierry La Fronde. Thierry La Fronde, non. Mais effectivement, bravo, Titeuf, vous mettez tout le monde sur une bonne voie, car Saturnin Farandoule... Il volait les riches pour donner aux pauvres. Non, mais c'est le précurseur d'un autre héros arrivé plus tard, 33 ans plus tard. Tarzan. Tarzan, bonne réponse d'Isabelle Mergaux. C'est vrai que ça marche mieux avec Tarzan. C'est mieux Tarzan. Que Saturnin Farandoule. Et oui, Tarzan. Moi, Jen, moi, Saturnin Farandoule. Oh, un pastiche. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Le premier personnage imaginaire à avoir été élevé dans la jungle n'est pas Tarzan, mais c'est un dessinateur qui s'appelle Albert Robida, qui a d'abord signé un roman de 800 pages intitulé « Les voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoule ». Ça démarre par un naufrage au cours duquel Saturnin Farandoule, qui n'a que 4 mois et 7 jours, et c'est un bébé, échoue avec son berceau sur une île peuplée de singes. Il est adopté. Il est élevé par les singes, il devient aussi agile que les singes et à 11 ans, conscient de sa différence, il quitte sa tribu, il prend la mer sur un tronc de palmier, il est recueilli par un navire et il revient à la ville, à la cité, il redevient urbain et il devient un leader parmi les hommes mais aussi parmi les animaux. C'est Tarzan avant Tarzan, vous voyez, Saturnin Farandoule, puisque Tarzan arrive 33 ans plus tard. On se demande même d'ailleurs si, celui qui a évidemment inventé Tarzan n'a pas tout copié sur Saturnin Farandoule. C'est même pas la peine de se demander quoi, parce que c'est exactement la même histoire. Sauf que ce qui est terrible, c'est que personne ne se souvient de Saturnin Farandoule, vous voyez. Grâce à vous, monsieur Ruquier. C'est vrai que désormais, on devrait recréer les aventures de... Ce serait bien de pouvoir réhabiliter comme ça, non ? Et ça pourrait être quoi, le cri de Saturnin Farandoule dans la jungle ? Un pastaga ! Et la femme de Saturnin Farandoule, ça ne peut pas être Jeanne. Moi, cagole. Toi, Saturnin, moins cagole. Non, mais... Vous pourriez jouer ce Tarzan-là, vous voyez, Titoff. Bien sûr. Autant les autres Tarzans, je ne vous vois pas, autant dans Saturnin Farandoule. Excusez-moi, je suis en retard, j'ai loupé la liane de 16h45. De liane en liane, il reste dans sa cabane, ce Tarzan, tu vois. Non, mais il est génial, ce Tarzan, quand même. Saturnin Farandoule. Mais moi, je suis prêt à vraiment relever le défi, hein, prendre le rôle. Hein. Ah oui. Bah, le Tarzan de Marseille, Saturnin Farandoule. Il y a eu Tarzoun, la honte de la jungle. Vous vous souvenez de ça ? Mais je le vois bien, Titoff, sur un arbre. Ouais, Paris ! c'est une autre vision de Tarzan. Ah non, mais Isabelle, vous pourriez faire Eugène. Vous pourriez faire la cagole en Farandoule, en voyant. Tu aurais des sacs en crocodile, tu vois. Et ouais, Saturnin Farandoule. On fait la scène, hein, nous, à faire les cris d'animaux. Oh mon Dieu. Oh, bah si. On va faire la cigale. Je peux pas faire un singe. Non, Stevie. Non, laisse, le rôle est déjà pris. Stevie, vous faites le singe, d'accord ? Ouais, voilà. D'accord. Claude, vous faites la guenon, d'accord ? C'est trop facile, il n'y a pas de rôle de composition. Gardez un petit au cas où. J'ai qu'à me montrer. Mais non, Claude. Mais non. Vous êtes très joli toujours. Ah ouais, je suis ravissant. Je vais faire le clap départ. Hein. Clap départ, premier jour de tournage, les aventures du premier Tarzan, Saturnin Farandoule. Oh, tu veux qu'on aille au lit? Oh, pas cher du tout même, hein. Oh, Gianna, qu'est-ce que tu es beau. Cagole. A cagole, Gianna, cagole. Quoi, cagole? Oh, cagole, cagole. Qu'est-ce que la cagole? Qu'est-ce que tu es belle, comme ça, avec ces crocodiles que j'ai tués. Je t'ai fait une belle boîte à une croco. Mmh. Et je t'amène ce soir sur le vieux port. Moi, le vieux port, je l'ai en face de moi, du coup.
Une question pour Noémie Trempecourt, qui habite Rannes, dans l'Orne. Ah, question assez étonnante, puisque je vais vous demander qu'est-ce qui différencie un nouveau-né d'un nourrisson. Un nourrisson, il est né quelques, enfin, il est né, il est âgé de quelques heures, alors que le nourrisson, il a peut-être âgé de quelques jours. Est-ce que c'est lié au moment où on coupe le cordon avant le avant le cordon, c'est un nouveau-né, après c'est un nourrisson. Attends, laisse-le. Je suis pas loin ou pas? On va dire vous êtes pas loin là. Il y a combien entre nous? Oh, c'est pas... 3 mètres. Le nourrisson a tété. Le nourrisson est plus âgé que le nouveau-né. Pardon? Le nourrisson a tété. Le nouveau-né n'a pas encore tété. Le nourrisson a tété, le nouveau-né n'a pas tété. Oui. Il y a une différence d'âge entre le nourrisson et le nouveau-né. C'est attends, ça, là. Attends, réfléchis sur mon cas, moment. Là. Alors, le nouveau-né va téter et le nourrisson a tété. D'accord, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que vous savez l'ordre, déjà, au moins? Le nouveau-né, puis le nourrisson, normalement, non? Ah oui, d'abord nouveau-né, après nourrisson. Exact. Bon, alors, qu'est-ce qui différencie un nouveau-né d'un nourrisson? Il n'est pas encore habillé, le nouveau-né. Il a pas encore dans sa couche. On lui a pas encore mis les petites chaussettes tricotées par la grand-mère. On lui a pas coupé. On l'a pas coupé les yeux. Oh, les petits boutons. Ma mère, dès qu'il y avait une naissance, elle tricotait des boutons. Oui, bah oui. Bah ça va est-ce vite. Hein, est-ce qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical de... Ah si, le nouveau-né. Il, effectivement, le nouveau-né, il a le cordon ombilical, mais on lui coupe, il reste un nouveau-né avant d'être un nourrisson. Il n'a pas encore été allaité. Langé. Mais vous avez raison, c'est une question de c'est temps. C'est une question de temps. Mais alors, combien? Ah, d'accord. Bah, 12 heures. Une heure. Ah, le temps de la déclaration. Non. Ça vient de la mère? Non, ça vient de la campagne. Il a été déclaré à la mairie. Donc on a fixé une durée, genre un mois, un truc comme ça. Genre un mois, deux mois. Alors, pas un mois. Deux mois. Pas deux mois. Les vaccins, les vaccins. Trois semaines non plus. Deux semaines. Quatre semaines. Non. Une semaine. C'est très précis. Cinq jours ici. Quoi? Non, bah rien. Et si, dis mieux. Alors, six jours. C'est en guise de semaine ou en mois? C'est en mois. Six mois. Non, c'est pas en mois. C'est en semaine. C'est en jour. C'est pas en semaine. En jour. Alors, c'est en cinq jours. Dix jours. Non. Cinq jours. Sept. Quatre jours. 60 jours. C'est le plus ou moins. 60 jours, non. C'est quelque chose, c'est pas par hasard, vous voyez. 30 jours, 31? Non. Pourquoi c'est pas par hasard? Parce que c'est symbolique, c'est un chiffre symbolique. Oui, c'est un chiffre symbolique. Jours. Le 27. Non. 7. Alors, ce serait 7 jours, alors, à ce moment-là? Non plus. C'est en nombre de jours, même si ça fait plusieurs semaines. Oula, alors attends, il faut convertir. Ah oui, non, mais il a raison. Voilà. 21 jours. 21 jours, non. 28 jours. 28 jours, bonne réponse de Florian Gazan. Et pourquoi 28 jours? Ça me demandait pas pourquoi 28 jours, c'est comme ça. Ah, c'est la lunaison. Les femmes ont leurs règles tous les 28 jours, ça a peut-être un rapport. C'est pour ça que je demandais si ça concernait la mère. Et vous m'auriez dit oui, j'aurais dit 28 jours. Ah, la mère MERE, vous avez demandé. Oh, bah non, la mère, non. Propos d'un nouveau-né. Encore. Et comme vous m'avez dit non, parce que moi j'y allais petit à petit. Ah oui. Ouf. 24, 25, 26. 28 jours, c'est une bonne réponse, Gazan. Mais j'aurais pu l'avoir. Il nous a dépassé. Normalement, on devrait se la partager, un demi-point chacun. Parce que si vous m'aviez dit oui, ça concerne aussi la mère, genre la maman, pas l'Atlantique, eh ben, j'aurais dit 28 jours. J'étais m'étais absenté pour des raisons maritimes. Ouais, t'as accouché. Je tombe en pleine crise. Si je peux vous aider à la résoudre. Vous avez posé une question qui était mal formulée selon ma cliente. Mais il y a. Oh, va pisser plus souvent, hein. Mais tu reçois. Monsieur Bénichou, on vous demandait ce que c'était la différence entre un nouveau-né et un nourrisson. On lui dit pas, on lui dit pas. Alors, Pierre, alors. 28 jours. Il y a la radio dans les toilettes. Michael Jackson, il a eu son nouveau-né au bout de combien de jours? Eliane Folie. C'est la vie des mystères. Non, mais elle a dit qu'elle s'était fait faire un nouveau-né. C'était l'invité mystère.